préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatou. Je veux que ma mère soit fière. Ça va, Junior? Je me suis fait 4$. Comment je t'ai fait 4$? Bah j'ai mendié, hein. Ah oui? Bah je me suis dit, si tu viens pas, faut bien que je puisse rentrer. Ah oui, attends, mais je t'ai même pas donné de drogue. Oui, c'est dommage, j'étais pas bien. Ah oui, c'est normal. Faudrait que j'aille enlever tous mes trucs, tous mes... Tout est... tous mes points de suture d'hier. Ah, tu les as encore? Bah oui, faut que j'aille voir un médecin. Par contre, objectif d'aujourd'hui... Ouais. Il faut qu'on trouve une maison, vraiment, il faut un... Oui, il faut vraiment qu'on trouve une maison, j'en ai marre de pas trouver de maison. Non, c'est la première chose qu'on fait, après avoir vendu. Attends, je vais te passer de la weed. Si jamais il y a 14 qui passe, et 14 il est un peu énervé là. Il m'a dit je suis en mode aigri. C'est qui 14? C'est le lieutenant, non, je sais plus, c'est le policier qui a les cheveux gris et dégarnis. Ah, tu l'as jamais vu encore, c'est celui qui m'a arrêté en gros. Bah non, j'ai jamais vu. Tiens. Lesquels? On va les vendre ça. T'es là depuis quelle heure? Depuis un... Attends. 15 minutes, 20 minutes. Ah oui, faut que j'aille acheter des munitions moi aussi. Ben attends, viens, on va à l'armurerie, j'ai acheté des munitions. Ouais. Ça c'est fait. T'en veux bien une ou deux pour moi? Bah tu les achèteras? Ah non, mais j'ai pas d'argent. Bah oui, bah tu vas vendre du cannabis. Bah oui, mais ça va me donner des dollars. Oh. Et quand je t'ai dépanné des missions hier, est-ce que je t'ai dit tu vas me les rembourser? Bah t'aurais pu? Bah non, parce que je ne suis pas comme ça. Oui, mais tu comprends, je suis le chef de la bande, j'ai des responsabilités. Il faut que je puisse subvenir aux besoins de la bande. Bah justement, subvenir à mes besoins et donne-moi un peu d'argent pour le train et paye-moi des munitions. D'accord, je vais y réfléchir. Merci. Je vais y réfléchir. Oh, il est vraiment beau ce cheval. Waouh. Ah wow. Ouais. Comment il est trop beau. Oh. Oh, t'as des yeux un peu globuleux. Ouais, mais il est vraiment beau. C'est Kika la plus belle. N'écoute pas Kika, c'est toi la plus belle. Oui, c'est toi la plus belle, Kika. Toi aussi t'es vraiment belle, mais c'est vrai que t'es moins belle que... Bon. Tiens Kika, dors à côté. Dors à côté du cheval. Franchement, pas à côté de l'entrée, c'est bien. Alors ensuite, oui, au revoir. Bonjour monsieur, dame. Bonjour monsieur. Bonjour. Je sais. Est-ce que vous pourriez m'aider peut-être parce que je comprends pas bien l'italien. Oui, moi non plus, mais on peut s'arranger, je pense. Allez. Pour une carabine Litchfield, c'est quoi comme munition qu'il me faut? Je me demande, c'est pas des répétitionné, non? Ouais, répétitionné. Je crois que c'est ça, oui. Attendez, je vais en acheter qu'une, je vais essayer parce que la fois, oui. je me suis bien fait avoir. Ah oui, c'est ça. Super, merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bah, monsieur. Ah bah c'est Julien, c'est Junior. Oui, c'est moi, coucou. Comment ça va? Bah, tout ce qu'il ça faut. Va toujours, et vous? Bah, ça va bah, toujours. Super. Ça fait... T'as assez d'argent pour le train? Alors, pas encore, mais bientôt. On a acheté plus, en vrai. Hein. Je t'en ai pas donné tout à l'heure, mais si tu veux, je t'en donne un peu. Ah bah, nickel, merci, hein. Il manque un dollar. Ou si tu veux, je peux te donner d'autres choses et tu te débrouilles avec. C'est quoi? Non. Non, je rigole. Ah merde, j'ai pas d'argent. Oui, vas-y, hein. Ah putain. Non, on va pas faire ça. Attendez, je vais. Ok, comme vous voulez. Bon, bah, des bisous à toi. Prenez soin de toi. Attends, je suis là encore, hein. Je suis pas parti, Junior. Raven, c'est qui? Mais c'est celle qui gère l'armurière d'ici. J'ai le lien sur moi? Ouais, mais j'ai passé. Je prends quand même un peu plus. Ah ouais? En vrai, tant que je touche pas au billet de 50, ça va. Bon, pas des munitions de. Je crois que je vais devoir faire. J'ai abusé. Oui, j'ai un peu abusé. On est un peu trop. Oui, j'ai un peu abusé. Passe-moi une petite punition, s'il te plaît. Attends, justement, je vais en acheter. Bravo. Oui, collègue en a. Qu'est-ce que vous me voulez? T'inquiète, ils sont gentils. Ils sont gentils. C'est les espérants. T'es sûr? D'accord, oui, maintenant je me méfie, hein. Oui, c'est parce que on... Alors. Je vais en prendre 12. Je peux en prendre 12? Non, c'est trop 12, non? Non, ok, c'est bon, je peux. Et fusil à pompe, je vais en acheter 2 aussi. C'est chevrotine, non? Ok, impeccable. Faites attention,
Non, c'est Vanderkuk. Monsieur Vankuk. Merci Samien. Bonjour monsieur le vampire. Bonjour mon Vanderkuk. C'est un vampire? Oui, c'est un vampire. Oui, c'est un vampire. Tiens. Ça se revend bien les vampires. Merci. Je sais pas, vous vous rendez bien ou pas? Monsieur Vanderluk. Vanderbuck. Vanderbuck. Non, monsieur, Comte Lazarus von Kurt, respectez. Bah non, vous avez pas dit Lazarus. Vous avez pas dit Lazarus, vous venez pas de enfin, je vais voir, j'essaie de 10. Est-ce que je peux avoir plus $5 à me dépanner, s'il vous plaît? Non, mais vous foutez de moi, vous m'avez taxé 1 dollar, l'ami. Est-ce que vous croyez que je peux en craquer une de plus? 16 et 20? Non, ok, 16 et 20, je peux avoir. Oula, il allait un peu vite, lui. Junior, on va vous écraser. Ok, donc 16 et 20, il faut que je retienne, 16 et 20. Madame n'est pas là. Non, pas vous parlez à moi? Ah non. Non mais oui, oui. Oui, pour savoir s'il était là. Mais non, après, oui, non. Mais je me suis dit si je pouvais gratter 5 dollars, c'était bien. Ah, bah, bien. Bien, Junior, bien. Bravo, Junior. Oui, je fais la branche aujourd'hui. Genre. Bravo. Ah, bah, on va ça, ouais. Bravo. Faites de la musique, vous aurez beaucoup d'argent. Je vais voir des médecins d'ailleurs après. Bon, ouais, on vous laisse. Oui. Je dois aller vendre des petits trucs. Bonne soirée, les Esperanza. Ah bon. Allez, au revoir, on va se recroiser au New Steam. Au revoir. Oui, c'est sûr. Au revoir. Faut qu'ils bossent pour nous, ils ont l'air cool. Oui. Ils ont pas, ils ont aucun ennemi, ils m'ont dit. Oui, bah peut-être parce que c'est des salopes. Oui, peut-être. Justement, nous leur dit oui, mais nous on est pas des putes. Du coup, peut-être pour ça qu'on a des soucis, non? Bonjour, monsieur dame. Bonjour. C'est où le plus idéal pour vendre? Ben, un peu loin du bureau du shérif, donc j'irai un petit peu vers le nord de la ville, tu vois. Genre vers là. Ou non, attends, sur la, y a une est-ce place. Est-ce qu'on est obligé de vendre en ville tout le temps? Non, non, tu peux vendre où tu veux, c'est juste qu'il y a plus de gens en ville, quoi. Ouais. Ben, y a pas un garde-cheval, là? Un garde-cheval? Regarde, ils galopent en ville et on leur dit rien. Oui, un garde-cheval. Non, non, ça s'appelle un park-horse. Et non, un garde-cheval! Non, un park-horse. Un park-horse? Un parking, mais pour les chevaux. Ah voilà, tu vois, ça c'est un garde-cheval ça. Mais non. Ah si, regarde. Ah, ouais ah oui, et là j'attache mon cheval. Incroyable. Tu vois, hop. Et là il est attaché. Mais vraiment, un jour on viendra vivre à Saint-Denis. Non, il y en a partout hein. C'est notre objectif. Un peu de cocaïne monsieur? De la cocaïne? Oui. Vous vendez de la cocaïne? Oui, ça vous intéresse? Non, pas plus que ça, mais... Mais bon, ok. D'accord. Junior, je vais dans le saloon. Merci, t'as lancé tôt car demain la rentrée. Non, non, j'ai lancé tôt parce que en ce moment je lance tout le temps à 18h. Et y'a que des joueurs? Y'a des PNJ dans cette ville? Toi t'es un PNJ toi. Toi tu veux de la coque non? En vrai à la gare c'était bien aussi hein. Toi dégage toi parce que sinon après tu vas encore devenir Claude. Je veux pas que tu deviennes à Claude. Ah, ça y est t'es un clone? T'es un clone? Ok. Pourquoi y'a mon cheval là sur la map? Non, c'est devenu un clone! Deviens pas un clone! C'est devenu un clone, ça y est. Je l'ai perdu à tout jamais. En fait, les chevaux, quand j'y reste trop longtemps, ils deviennent des clones. Et y'a pas de PNJ, frère! Tout le monde me dit Saint-Denis, c'est broken pour vendre, mais non! Faire de la duplie avec, non 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 parce que t'as pas accès aux sacoches justement. C'est ça qui pète les couilles. Ah je retourne à la gare hein, la gare c'était bien. Vendre au PNJ comme ça?
Merci Gilles Louis. Merci mon frère Louis. Oh toi tu veux de la coke. Toi aussi tu vas vouloir de la coke toi là-bas. Tu veux ou pas? Tu veux ou pas? Tu veux de la coke? J'essaie de faire quoi là? Oh merde. Fils de pute. Ah, tu vas prévenir les shérifs? Tu préviendras personne, moi je te le dis moi. Moi je te le dis mon vieux. Toi tu veux de la coke toi non? Tu veux de la coke? Oh mais... J'aime pas te casser la gueule toi. Eh, par contre ça rapporte oh pas grand chose, hein. Oh oh mon oh cœur, mais putain mais tu m'as fait peur. Oh fais plus jamais ça. Combien tu lui vends le cannabis? Entre 3 et 4 dollars. Ah, la coque c'est mieux. Hein. Monsieur, hello. Spedwin. Non mais par contre faut vraiment... En fait il faut qu'on trouve une maison, un gros coffre et qu'on retourne à Guarma et qu'on mette plein de trucs pour qu'on puisse aller faire ça. Hein. C'est-à-dire plein de trucs? Bah qu'on aille chercher plein de... qu'on aille faire pousser etc. Tu vois qu'on ait vraiment du stock parce que là on est en galère. Hein. Eh hey, lui il est en train de voir sur notre terrain lui. Lui il va sur notre terrain lui. Viens 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 viens, viens on va s'occuper de lui, lui. Oui il vend du whisky, j'ai laissé faire. Non non on va pas le laisser c'est faire pas notre terrain comme ça, c'est notre terrain. C'est notre terrain. Mais on vient d'arriver ici. Eh 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 eh. Faites quoi là monsieur? Oui. Je vends du whisky. Non. Vous allez arrêter comment de suite. Ah bon? Oui la gare c'est chez nous. Ah bah d'accord. Mais mon ami, votre ami, il m'a dit que vous vendiez de la weed. Oui. Oui. Mais on vend aux gens d'ici. Oui. Mais ils achètent pas la... ils achètent pas de weed, moi. Écoute-moi bien. Attends, enfin, de toute façon, il y a un policier derrière. Il y a qu'un vendeur ici, c'est les Los Taxeles. T'as compris? D'accord. Allez, dégage, tu veux pas que je te refasse le portrait? T'as raison, il y a, ou pas? Il y a, tu vois le petit. Tu vois pas là? Ouais. Il s'est caché à l'intérieur. Ah ouais? Ouais, 14. Vas-y, va parler avec lui, je vais vendre. Vas-y. Putain, merde. Mais je pensais qu'il allait se rebeller un petit peu. Oui, je suis méchant. De toute façon, oui, je suis méchant, oui. Oui, je suis méchant. Voilà. Je suis méchant. Oui. C'est moi le méchant du film. Moi, je vous le dis. Cher monsieur. 14. Courez pas monsieur, arrêtez-vous. Qu'est-ce police. Monsieur police, arrêtez-vous. J'ai rien fait. Mais pourquoi vous partez alors? J'ai rien fait. Mais on veut juste vous parler nous. Non non. Mais si vous refusez d'obtempérer, on va devoir vous arrêter là. Laissez-moi tranquille. À gauche, à gauche. Arrêtez-vous monsieur. Laissez-moi tranquille. Junior, si je te conseille oui de lâcher ton lasso. Allez 14, mais on rigole un peu. 14. Il est derrière. 14, est-ce que je peux te parler? Pas du tout, sans intervention. Non. Arrêtez, arrêtez d'être en intervention tout le temps. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Viens là, viens là, remonte, laisse-le, il est coincé. Bah maintenant t'es coincé. Je suis à bout de souffle. Arrêtez. Qu'est-ce que pourquoi vous voulez vous, là, pourquoi vous courez comme ça monsieur? Eh hey, hey, reculez monsieur. Recule Reculez ou je saute. Le recul caddie. Attends je vais t'aider à remonter si tu veux. Attrape. Attrape. Allez viens. Monte. Voilà. Junior je vous monte conseille de le lâcher mais là. J'essaie ouais de le monter. Non non mais lâchez-le, on montera autrement. Ah putain. Désolé j'ai voulu t'aider. Monsieur, ah remontez sur le bateau, remontez sur le bateau, vous allez vous noyer. Pourquoi pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Bah qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous courez comme ça? J'aime bien courir. Bah oui, bah arrêtez-vous quand vous demande de vous arrêter là, vous êtes... qu'est-ce qui se passe? Ah vous me demandiez de m'arrêter? J'avais pas vu hein. Bah on vous l'a demandé pourtant. Ah bah j'avais pas entendu. C'est vrai, c'est vrai ce mensonge ou c'est pas vrai ce mensonge? Non j'avais pas entendu hein. Mon lieutenant. Ouais. Permettez-moi de douter s'il vous plaît.
Ouais. C'est je crois qu'il est en train de nous mentir, mon lieutenant. Laisse parler, le lieutenant. Mais attendez, c'est dangereux, je crois bien que vous êtes en train de nous mentir. Non. C'est comment votre nom, monsieur, là? Hector. Bien sûr, vous demanderez votre carte d'identité. Mais vous allez vous doyer, il n'y a pas d'échelle. Permission de le suivre, mon... Non, essayez de remonter, il y a une échelle un peu plus loin. Derrière toi. Ah. Oh, c'est tellement fatigant de nager. Monsieur Hector. C'est tellement fatigant de nager. Pourquoi c'est autant fatigant? Monsieur Hector, il n'y a pas d'échelle par ici. Remontez. Et comment je remonte? Ben, par une échelle. Ben oui, mais où? Viens par là, par là, tu peux, non? Est-ce que je vois, il y en a une, si vous avez des bateaux derrière vous. Allez jusqu'au bateau derrière vous. Non, derrière, il y a une derrière. Ici. Direction sud. Derrière vous, il y a un bateau, vous montez dessus et après sur la droite, là, il y a une échelle. Attends, Junior, t'as trouvé un moyen de monter? D'où vous êtes venu, monsieur? D'où vous êtes venu? Junior! Monsieur, regardez, venez, suivez-nous. Je suis bloqué, je suis thalassophobe! Mais non, mais venez, remontez dans le bateau où vous étiez, le petit bateau là. Revenez par ici. Allez, vas-y, attention, vous voyez pas. Allez-y. Ah, tenez bon. Ah, tenez bon. J'y arriverai pas! Mais si! Si, vous allez y arriver. Remontez dans le bateau. Oui! Allez, reprenez votre souffle là. Respirez, l'échelle n'est plus très loin, l'échelle. Et regardez par ici, il y a une échelle là. Vous pouvez vous accrocher aux poutres qui sont au mur, vous inquiétez pas. Ici. Allez, venez vers moi, voilà, c'est bien. Prenez votre temps. J'y arriverai pas. Si, vous allez y arriver. Mais allez. Si, vous allez y arriver, ah, allez, montez. Attendez, je reprends mon souffle, Très c'est bien. Bien ça, c'est oui. Bien. Allez, vous y êtes presque. Allez, un par un. Allez, attendez. Oui. Attendez. Un barreau par un barreau. Attendez, parce que je vais recourir. Ah. Ah. Ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à monter. Ah. Vous avez besoin d'aide? Non. Vous voulez que je vous lance ma corde? Non, ça va. Bah, poussez-vous un petit peu histoire que je puisse monter. Oui, bien sûr, je me pousse. Vous allez monter. Oui. Bon, très bien, bien Victor. Oui, ça va. Allez, monsieur. On s'arrête. Pourquoi? Arrêtez-vous, vous c'est le deuxième. Ah! Eh non, monsieur. Allez! Non! Ah! Allez, monsieur. Restez. Allez, galope! Galope, salope! Allez! Allez! Va à fond! C'est super lent, hein! Non, monsieur, vous avez pris mon cheval! Monsieur, arrêtez-vous! Non, vous avez mon cheval, je sais qu'il est sacrément doué! Je vais devoir commencer à tirer en l'air! Écoutez, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Bah, arrêtez-vous, on va discuter! Monsieur, arrêtez-vous! Je suis machiavélique! Qu'est-ce que vous me voulez? Arrêtez-vous! Qu'est-ce que vous me voulez? Arrêtez! Non! Ah! Ah! Non! Ah! Aïe! Aïe! Qu'est-ce que vous me voulez? Allez, vous arrêtez les bêtises. Allez, maintenant vous arrêtez. Ah, vous arrêtez les bêtises maintenant. Ah! Allez. Ah! Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous me courez après? Bah, me coûte le mur là, monsieur Hector là. Allez, monsieur Xar. Allez. Rangez votre arme, vous me faites peur. Bon, monsieur Hector. Arrêtez de bouger. Oui. Retournez-vous, présentez-moi une carte d'identité, monsieur Hector. Ah, bah elle est dans mon cheval. C'est vrai? Oui. C'est bien dommage. Vous savez ce que c'est la bande pour nos ports d'une carte d'identité? Mais non, mais elle est dans mon cheval. C'est vrai? Oui. Et si vous l'avez. Alors, on va vous laisser une chose, monsieur Hector. Vous la récupérez. Si vous montez sur votre cheval, je vous abats. D'accord. Bah, j'abats votre cheval surtout. Ok. Je crois que c'est plus bas là. Vous permettez que je sorte mon arbre, c'est jamais. Oui, si je monte sur mon cheval, vous abattez mon cheval, j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Faites rien qu'on pourrait regretter, monsieur Hector. Ah, bah non, il est là. Ça serait bien dommage. J'ai bien compris. Si je monte sur mon cheval, vous m'abattez. J'abats votre cheval surtout. Et ça, ça fait la peine. Oh lolo, monsieur Hector, c'est. C'est. C'est redondant.
Vous ne mourrez jamais. Moi je compte vous avoir, monsieur Hector. Allez, monsieur Hector. Arrêtez, mais je n'ai rien fait. Arrêtez-vous, monsieur. Arrêtez-vous, monsieur Hector, ça commence à bien faire là. Je n'ai rien fait. Bah arrêtez-vous dans venez, ce cas-là. Venez, on va en discuter, on va en discuter. Et là, c'est des violations de propriété privée que vous êtes en train de faire, monsieur Hector. Il est dans le buisson. Oh, je jure, ils m'ont pas vu. Tu l'as vu partir? Non, il a pas quitté la propriété, c'est impossible. Oh, je l'ai baisé. Vous sortez de là. J'ai 100 dollars sur moi les mecs. Oh. Qu'est-ce qu'il a ce cheval là? Je me montre un peu par fair play parce que je... ça pue sa mère, je peux pas mettre dans le buisson, dans un buisson comme ça tu vois. Au moins là je suis allongé derrière l'arbre quoi. Il veut pas bouger ce bâtard hein. Par contre les gars, s'ils me trouvent ici, 19, tu m'entends. Je peux pas sauter. Hein. Je peux pas sauter là parce qu'il y a des pics là. Alors j'ai essayé de sauter, je pouvais pas. Vous l'avez pas retrouvé? Non, non, j'ai pas retrouvé. Non mais c'est quoi ça encore? Ça j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Arrête. Oh vraiment, mais là... Non arrête, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Une fois, deux fois, ça va, je veux bien, mais au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Je tire pas parce que c'est pas bien tiré, vraiment. Non, non, tire pas, mais au bout d'un moment. Ah, c'est pas grave. Bah. J'ai respecté pas... leurs ordres. Mais tu montes pas sur le cheval. C'est triste. Il est où son cheval là? Non, mais je pense juste que peut-être il est dégoûté, mais. J'ai enfreint aucune règle, hein. Moi je vous le dis, j'ai enfreint aucune règle. Hein. Attends, ils vont pas tuer mon cheval quand même. On va faire ça. Imagine bah, d'entendre un coup de feuille et de notif, votre cheval est blessé. 14, est-ce que t'as un dollar pour moi, s'il te plaît? Oui. Je sais pas, moi j'ai besoin d'un dollar. Il manque vraiment un dollar pour prendre le train. Ils vont mettre un sabot à ton cheval, masterclass! En plus, ils peuvent vraiment lui mettre un sabot vu que c'est un cheval. Truc de ouf, je veux du Sacha moi. Eh ben moi, je veux que tu sois ban 2 semaines et que t'arrêtes de nous péter les couilles. Sur ta cachette, mais je sors pas de ma cachette, poto. J'ai 100 dollars sur moi. Ouais. 100 dollars. Ah, le cheval, mais vous... non, mais vous êtes des... Mais vous allez pas tuer un truc. Merde. Ils vont tuer mon cheval? Hector, je me rends, mais tu es pas mon cheval! Junior, la prochaine fois que tu vas sur l'assaut, je te tirerai pas. C'était un piège! C'était un piège! Vous m'avez tendu un piège! Bien sûr qu'on vous a tendu un piège. Bien sûr! Vous alliez pas tuer mon cheval! Mais bien sûr que non, vous allez pas tuer mon cheval! Mais vous êtes des monstres! Mais vous êtes des monstres! Mais non, mais tu t'es fait avoir! Bah oui, je me suis fait avoir! Allez, relevez-vous là, monsieur Hector! Je sais pas comment vous êtes! Et donnez le dos à mon lieutenant! Tournez le dos là! Allez. Mais j'ai rien fait. Je prends vos mains, je vous bedote. Mais descendez son cheval. Ouais, descend du cheval. Vous inquiétez pas, c'est juste pour pas qu'il le reprenne. Oh, comment vous avez donc pas de cœur de jouer avec les sentiments des chevaux? Bah non. Vraiment non. Vous savez, après, ce cheval, il a une très grande valeur sentimentale pour moi. Vous êtes pas très malin. Bah au contraire, je vous ai complètement eu. Bah bon. J'étais caché là depuis le début, oui. Bah, regardez, si on vous a eu. Restez ici. J'étais caché juste ici. Restez ici. Vous êtes passé 3 fois devant moi. J'ai bien rigolé hein. Bah écoutez, on savait qu'on avait pas quitté, vous avez pas quitté la propriété. En tout cas, moi je savais que vous avez pas quitté la propriété. Le seul moyen de vous attirer, c'était le cheval. Généralement, le cheval, c'est. Bah oui. Au sentiment des gens, vous voyez. Bah oui. Bah oui. Mais vous croyez vraiment que j'ai une tête à abattre un cheval? Bah j'en sais rien, vous savez. Bah bien sûr que non. Vous m'avez bien eu en tout cas. Bah bien sûr. Oh.
On n'arrive pas à vous arrêter, au bout d'un moment on n'arrive plus à vous arrêter comment dire gentiment, donc on emploie les derniers moyens qui nous restent. Mais je ne comprends même pas, je n'ai rien fait. C'est vrai. Ils m'ont bien baisé hein. Vous avez toujours pas votre pièce d'identité sur vous, monsieur Hector? Non, du coup elle est toujours dans mon cheval. Mais par contre elle est vraiment dans mon cheval hein. Ouais bah cette fois-ci vous allez rester avec nous et ça sera une amende à 50$. Oh, 50$ on vous a laissé une chance, monsieur Hector. Le nom port de la carte d'identité, c'est 50$. Non mais parce qu'elle est vraiment dans mon cheval, c'est juste que... Ouais. Ben j'ai... Non mais 50$, vous pouvez pas me faire ça, monsieur. Ah bah au bout d'un moment... Oh, alors on fait quoi? Les 50... ouais, 50$... Fonce Julien, fonce. Non, ok, c'est bon. Aïe. Fallait vraiment pas essayer ce genre de... Junior, vous avez tiré vite, hein. Bah, moi, il a dit j'ai foncé, hein. Aïe, Junior, tu pars ou t'arrêtes? Oui, attends, je renvoie mon cheval, je fais rien, je renvoie mon cheval. Monsieur Hector, vous devez savoir que dès que vous êtes menotté, on peut tirer sans sommation. J'ai besoin d'un médecin. On l'avait prévenu. Pitié. Allez, viens avec moi, je vais regarder ça. Hector, arrête de nous suivre, s'il te plaît. Ouais, non, Junior, est-ce que tu peux circuler, s'il te plaît? Junior, arrête de nous suivre. Oui, mais je vais l'attendre. Vous avez une très belle gâchette, monsieur. Il doit me passer un dollar. Non, mais j'allais mourir, les gars, j'allais mourir. Tu t'attendras, va à la gare, t'inquiète pas. Je vais attendre qu'il ait fini, je vais l'attendre devant le poste. Il me remettait une balle, je mourrais, je vais pas mourir. Non, regarde, je vais l'attendre devant le poste ici. Voilà, je sais pas ce qu'on va lui mettre, on fait appel à un juge là. Bah, je crois bien. Ouais, on va directement Sissika, je pense. Non. C'est vrai. Monsieur, je suis américain, je suis attaché à la liberté, c'est tout. On vous a laissé 5 chances. 5. C'est énorme. Non, c'est pas 5, 4, 4. Une dizaine de vos... Non, arrêtez. Comment ça, arrêtez? Putain, mais vous m'avez bien eu, hein. On vous a sorti de l'eau. Allez-y, rentrez. Gentiment, rentrez. Attendez, je ferme les portes derrière nous parce que on sait jamais. Aïe, j'ai besoin de soins. Oui, on va appeler un médecin, vous inquiétez. Je ferme toutes les portes du poste. Allez, mettez-vous face à moi là, contre le mur. Face à vous, contre le mur. Contre le mur là-bas, face à moi. Ah. S'il vous plaît, monsieur Hector. S'il vous plaît. Attendez, bah, restez le dos tourné pour l'instant, je vais vous débloquer. Non, vous n'avez pas votre carte d'identité ou Baidi, c'est non, ça? Non, je l'ai pas. Eh bah, du coup, vous allez rester menotté. Bougez pas. Je l'ai pas, le calancier. Tu peux aller voir pour chercher un médecin, stop. Oui, pitié. À grand plaisir, mon lieutenant. Du coup, là, monsieur, vous êtes vraiment monsieur Hector? Oui, Hector Salamanca. Hector comment? Salamanca. Salamanca? Oui. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Quoi? Très bien. On dirait pas? Mais alors, votre carte d'identité est vraiment dans votre cheval? Oui. Enfin, je crois, mais peut-être pas. Comment ça, en fait? Peut-être pas. Et en fait... Bon, écoutez, ok, oui. Je vais jouer franc-jeu avec vous, d'accord? Vous êtes lieutenant? Lieutenant 14. Oui. Bien, il y a... Oh, je vais passer pour un délateur. J'ai pas envie. À quoi? Un délateur. Une balance, quoi. Un dénonciateur. Ouais, dites-moi tout. Bon, je me suis fait kidnapper par un groupe, d'accord? Il porte des bandanas orange autour du cou. D'accord, il s'appelle comment ce groupe? Je sais pas. Je sais juste qu'il porte des bandanas orange et qu'il habite à Saint-Denis. Ouais. Ils m'ont kidnappé. Ils m'ont donné de la cocaïne. Ils m'ont forcé à la vendre et ils m'ont dit... D'accord. Tant que tu ne m'as pas rendu mes 100$, on te rendra pas ta carte d'identité. Et c'est eux qui l'ont, en fait. Alors, du coup, est dans votre cheval et maintenant ceux qui l'ont avec des... Oui, parce que je voulais pas les dénoncer, quoi. Ouais, d'accord. Oui. En fait, il trouve bien que vous êtes monsieur Hector, la Salamande, oui. Là, je sais plus quoi. Non, Salamanca. Salamanca, pardon. Bah écoutez, pas grand chose, mais. Pas grand chose, à part votre parole, c'est ça. C'est à part ma parole, mais moi je vous dis, en fait. Mais doutez-moi de ne plus avoir trop confiance en votre parole. Là. Oui, mais là, c'est pour ça, là. De toute façon, maintenant que vous m'avez arrêté, j'ai plus de raison de mentir. Hein. Ah bah plus trop non, parce que là vous allez passer un sacré quart d'heure en cellule. C'est pour ça, mais en fait ces messieurs ils m'ont arrêté, ils m'ont donné de la cocaïne, ils m'ont demandé de la vendre. Et ils m'ont dit tant que tu ne l'auras pas vendu et que tu ne m'auras pas ramené les 100$, on garde ta carte d'identité. D'accord, très bien. Oui. Bah écoutez, retournez-vous là, je vais procéder à une fouille quand même de vous. Si vous me prenez les 100$ que j'ai sur moi, que je leur dois, je suis un homme mort. Et bah vous serez peut-être un homme mort. Mais...
Vous avez quelque chose de dangereux là sur vous là qui pourrait éventuellement blesser lors de votre fouille? Je crois que j'ai un couteau, faites attention. Ouais, c'est tout. Oui, c'est tout. Très bien. Je vais procéder à des petites fouilles là au niveau des épaules. Qu'est-ce qui se passe? Pas grand chose. Et alors, dites-moi tout. Oui, vous avez votre couteau. Effectivement, vous n'avez pas du tout de carte d'identité. Effectivement, je vous avais vu. Très bien, très bien. Du coup, je vous confisque votre. Votre Litchfield là. Oh votre couteau. Vous allez me le rendre, hein? Oui, retournez-vous, j'ai pas oui, pardon. Fouiller. Pardon. Votre banana, vous inquiétez pas, tout ce que je vous prends, vous sera rendu à la fin de votre. Où sont les. Vous n'êtes pas un gang, des petites frappes, les mecs. Je suis pas obligé. Vous avez dit quoi, pardon? La cocaïne, vous êtes tout vendu? Oui, bah oui, regardez, j'ai pile 100 dollars. Bah, je sais pas, j'ai pas regardé, j'allais vous demander justement combien de dollars vous avez. Bah, j'en ai. Normalement, j'en ai pile 100. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous savez que c'est illégal sur le sol américain. Ah oui, je sais, je leur disais, donnez-moi des dollars. Et ils voulaient absolument me donner des dollars. Mais vous savez que je vais devoir vous les confisquer, là, vos dollars. Monsieur, vous avez... si vous le faites, vous me condamnez à la mort. C'est vrai. Mmh. On va faire autre chose. Oui. D'accord. On va se mettre dans la cour. Je vais vous dénoter. Oui. D'accord. Oui. Et voilà, vous allez appeler votre cheval. Oui. D'accord. Vous allez. Bonjour. Bonjour monsieur. Salut 54. Vous allez. C'est Bisson, non? Pardon, c'est Hector Salamanca apparemment. Sauf qu'il a pas sa carte d'identité. Ah bon? Mais ouais, un peu compliqué. Pourquoi tu. C'est Monsieur Pichon ça? Tu reconnais? Bah j'ai déjà vu une fois, oui. Comment dire? La dernière fois que je l'ai vu, c'était à la gare de Saint-Denis. Il est au galop. Entendez-vous là, monsieur Salamanca? Non, ça me dit rien. Pourquoi vous changez de voix comme ça, monsieur Salamanca? Non. Vous mentez depuis le début, vous êtes pas Hector Salamanca? Non, si je suis Hector Salamanca. Ah, très bien, voilà. Pour confirmer tout ça, vous allez appeler votre cheval dans la cour, d'accord? Vous allez prendre votre carte d'identité. Mmh. Attention, toujours pareil, si vous montez dessus, là, c'est pas les jambes que je tire, c'est d'accord. Pas les jambes que je vise, oui. D'accord? Oui. Et vous allez présenter votre carte d'identité. Bah, c'est vrai qu'il ressemblait beaucoup à monsieur Pichon, certains Pichon que j'avais croisé une fois, mais de toute façon, c'était pas lui, je me prends. Et les Pichons, là, ils sont recherchés en plus. De base, oui, ils sont recherchés à Blackwater. Oui, mais Blockbuster, c'est ça. Avec une jolie prime de 100 dollars par mois. C'est vrai. Eh ben, ouais. Tony, on va vérifier tout ça. C'est l'avocat, là. Oui, j'arrive. Appelez votre cheval ici. Oui. Sifflez-le, sinon je vous mets à coup. Bah oui, je siffle, là. Vous entendez bien, je siffle. Ouais, mais il vient pas, votre cheval, là. Ah oui, il vient pas. Ah oui, il a eu peur, on dirait. Avec la divinité, ouais. Parce qu'il a appelé le cheval de la divinité, parce qu'apparemment, il a mis le pied. Allez, sifflez. Ah oui, je siffle, là. Excusez-moi, monsieur. Sifflez. Parlez moins fort, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. Excusez-nous. Il essaye de siffler son cheval, mais il n'y arrive pas. Je pense qu'on va devoir essayer de... Ouais. On va devoir employer les grands moyens. Ah bah... Un coup de crosse et puis ça va être fait. Mais pourquoi il vient pas, Kika? Jamais quand il a. Il est jamais là quand on a besoin. Ah, bah, je peux pas mettre un coup de crosse parce que. Ouais, mais je peux pas mettre un coup de crosse parce que je vais déjà tirer dessus. Oui, là, oui, je vais. Pas... Ah, oui. J'aurais pas ah, je vais mourir là. Plus. Mais dépêchez-vous, l'appelez votre cheval. Bah oui, je l'appelle Kika! Merci, attends, j'irai vite chercher un médecin. Ouais, c'est bah, Kika! Le KB19 qui est parti chercher un médecin. Parfait. Kika! Arturo! Parce que là, en fait, je t'explique, commissaire. Dans la cour, on est dans la cour. Parce que là, il prétend s'appeler Hector Salamanca. Dans la cour? Non, d'accord. Sauf que là, Colt, apparemment, il dirait que ce serait Monsieur Pichot. Et vu qu'il a pas sa carte d'identité sur lui. Mais Monsieur Pichot, et la famille Pichot est recherchée. Ah, c'est ça le problème. Et là, il a pas sa carte d'identité, donc je peux pas vérifier. Là. Il faut qu'il appelle son cheval, mais il arrive pas à le siffler. Ah bah, si il va rester là un moment là. Oui, il va rester là un moment. Appelez-le. Et sifflez. Vous y arrivez vraiment pas? Bah, je siffle, hein. Elle est peut-être retenue par une personne, le canard. Oui, peut-être que quelqu'un. Moi, quelqu'un a fait du mal à Kika? On aurait dû l'abattre tout à l'heure et prendre ce qu'il y avait dans les sacoches. Oh non! Ah bah, si, au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Pichon, du coup?
Non, je sais plus. Bah, il était vers le parc là. Et du coup, M. Pichon, on fait quoi? Bah oui, on fait quoi, M. Pichon? Répondez. Monsieur Saloka. Ah, moi? Oui. Écoutez, je propose. Moi, j'ai une proposition à vous faire. Ouais? On oublie tout, vous me donnez 20$ et on repart comme si rien n'était passé. Bah alors, je crois moi, je dirais même 50$ direct. Bah oui, voilà, bah, oui, 50$, pourquoi pas. Ça me va. Et vos 100$, ce que vous m'avez dit là, que vous avez sur vous, on en fait quoi? On les récupère, hein, moi je dirais. Hein. Bah, ça s'est saisi, oui. Ouais, vous les récupérez, vous me donnez 50$ en échange. Ah bah non. Oui, si, bah bien sûr. Bah non. Oui. On vous moi, ce qui m'intéresse, surtout là, à l'heure actuelle, c'est surtout votre carte d'identité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vraiment que vous la voyez pas, c'est, monsieur. C'est qui lui là-bas? Oh, il n'a pas ses papiers sur lui, la seigneur. C'est qui ça? Ah, bonne question. Faites-le sortir, là, seigneur. Bonjour, oui, monsieur, bonjour. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît? Circulez, par favor. Oui, je pars. C'est. Ouais, écoutez, d'ailleurs, là, on pourrait vous. Ouais. Bah, écoutez, au pire, amendez-moi pour le non-port de carte d'identité, hein. Mon cheval ne vient pas, tant pis, hein. Allez, non, je voudrais votre carte d'identité, monsieur Salabou. Ah, bah oui, vraiment. Oui, mais. Bah, oui, mais mon cheval ne vient pas. Qui c'est que t'as dit qu'il s'appelait Pichon? Colt, 54. Bah, il le connaît? Bah apparemment il l'a déjà vu. D'accord. Moi j'ai jamais trouvé... Bah, faut être sûr que ce soit lui ou non? Bah c'est ça, mais c'est pour ça que je veux sa carte d'identité, pour être sûr que ce soit lui. Ok. Sifflez, allez-y, monsieur l'avocat. Plus fort. Vous voulez qu'on aille sur la route là pour vous essayer de l'appeler? Écoute, je pense qu'il se l'est fait voler. Hein, oui, je pense que quelqu'un me l'a volé, hein. C'est vrai. Mais c'est trop dur de siffler, de rigoler en même temps. Et en même temps, il faut pas que je siffle dans mon micro, sinon ça fait trop de souffle. Vos 100$ et je vais vous mettre 50$ d'amende pour votre identité. Oh mon dieu. Vas-y, les 50$, c'est pas donné. Y'a rien dit. Ouais. Plus, attends, mais c'est pas fini. Plus le refus d'obtempérer de 5$. Donc ça fait 55$. On part sur ça, monsieur Salamanca? Oui, partons sur ça. Il était masqué, seigneur. Non, j'étais pas masqué. Connard. Non. Pardon. Bah du coup, on va retourner... Pardon, mais parce que... Non, mais parce que j'avais l'impression que vous vouliez rajouter une couche. Pour ça, j'ai dit pardon direct après. Non, seigneur, je demande. Y'a pas de problème. Oui, bon, partons sur 55$ d'amende, hein. Et les 100$, je vais vous envoyer confisquer dans ce cas-là. Oh, vous êtes vraiment... Ah bah c'est vous qui m'avez dit que vous avez 100$ dans votre poche. Excusez-moi. Sur ce que coup-là, c'est... vous n'étiez pas encore eu malade une deuxième fois. Vous l'auriez vu, hein. Que seigneur, si vous avez votre pièce d'identité, comment vous dire, ça aurait pu arranger certaines choses. Ou les empirer, ça dépend comment on voit la chose, monsieur. Pourquoi les empirer? Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, on sait jamais de quoi l'avenir nous réserve. Vous êtes recherché, monsieur Salamanca? Je ne suis pas recherché. Bon bah alors, pourquoi ça devrait les empirer alors? Bah, non, mais c'est un exemple, c'était plus une métaphore. Vous venez de quelle ville, seigneur? Une analogie, de Valentine. Valentine. Après, on peut appeler le bureau de Valentine et voir avec eux s'ils le connaissent. Ouais. On va pas partir des choses, ça commence à faire un bon. Bah oui, on a pas de trucs à faire. Hein. Et bah du coup, on va aller à l'intérieur, vous allez me donner vos dollars et vous allez prendre 55$ d'amende. Mais si vous me prenez mes dollars, vous voulez pas me faire un petit geste sur l'amende? Attendez. Pas du tout. Je vais bien plisser les yeux. Monsieur, regardez-moi en face, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. J'ai dit en face. Non, l'autre côté. L'autre côté. Voilà, c'est bon. Non. C'est bon. Faut que tu sois sûr à 150%. Ah bah, de toute façon, j'ai déjà... À 300%, seigneur. Pour te dire, j'ai vu M. Antoine Pichon déjà démasqué. Donc si c'est vraiment aussi le même visage, la même barbe et la même coupe que j'avais vu auparavant, c'est que c'est lui. Alors bougez pas. Bon, monsieur, si vous continuez à bouger, je vous mets un coup de... Mais pourquoi je ne bouge pas? Je n'ai rien fait. Ah bon? Qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez pas de bouger, monsieur? Bah non, juste, je suis hyperactif. Attends, regarde, ça va être plus simple. Écartez-vous. Ah! Non! Regardez, arrêtez! Non! Non! Ah oui, c'est bien lui, c'est monsieur Antoine Pichon. Ah, non! C'est sûr et certain. Non, je ne suis pas Antoine Pichon. Bah alors, monsieur, là, vous êtes vraiment qui? Monsieur, je vous ai déjà vu plus d'une fois. Ça va être simple. Ah, on va aller. C'est soit vous assumez votre identité, soit vous restez dans les cellules. Pendant combien de temps? Jusqu'à temps l'arrivée d'un juge. Ah bah, jusqu'à temps que le juge y arrive. Oui, mais si j'assume mon identité et que je suis vraiment Antoine Pichon, je vais devoir attendre un juge aussi. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui. Donc, soit vous assumez. Mais attendez, vous êtes sûr? Parce que moi, souvent. Je suis certain. Souvent, on me dit que je ressemble à Antoine Pichon, c'est vrai. Hein.
Bah c'est pour ça, montrez-moi votre carte d'identité et dans ce cas-là vous serez plus tranquille. Vous savez, Monsieur Salamanca, Pichon, je sais pas comment je dois vous appeler. En vrai de vrai. C'est monsieur qui est là. Ouais, c'est monsieur qui est là. Attends, deux secondes. En vrai de vrai, vous serez arrêté la première fois. Attendez, juste deux secondes. Moi, je savais pas du tout que vous étiez Monsieur Pichon là. On n'en serait pas du tout arrivé là. Oui, c'est vrai. Surtout hein. Ici, frotte typique. Vous connaissez mais la Monsieur Pichon ou pas, bon, c'est pas Monsieur. Mais alors Colt, peut-être bien. À 300%. À peine bien. Ça change. Attends, ça a changé maintenant. Il a dit peut-être bien. Et là, c'est peut-être bien. Je sais pas, je le connais pas. Non, mais en gros, je le suis peut-être pas. Écoutez, de toute façon, l'important c'est pas qui on est. L'important c'est qu'on a dans le cœur. Vous savez, messieurs. Ouais. Tout à fait. Mais votre nom, c'est quoi, du coup? Ça dépend. Son cœur lui raconte. Moi, vous savez, je ne suis attaché ni au nom ni au prénom. Moi, je suis attaché à ce qu'il y a dans le cœur des gens. Moi, c'est l'humain que je vois. D'accord. Ça vous savez. Cœur, il vous dit quoi, Monsieur Pichon Salamanca, je veux de me noter. Le docteur va déjà prendre vous faire vos soins, d'accord. Oui, s'il vous plaît. De pas de faire geste de bouche. Non. Bah non, mais là, pour être policier. Et de toute façon, je suis mal en point. Allez-y, docteur, procédez aux soins. S'il vous plaît. Prenez son identité et donnez-la nous après. Alors, monsieur, est-ce que vous avez reçu votre balle? Bah dans le dos. Ah, au niveau du dos, carrément? Oui. Ah bah écoutez, venez avec moi, il va falloir, je vais demander. Vous auriez éventuellement un endroit, un local où monsieur pourrait s'asseoir, qu'on soit... Ouais, vous pouvez rentrer dans le poste si vous voulez. Venez, entrez à l'intérieur. Ah, très bien. Pas la chaise du commissaire. Non mais on peut le mettre dans une cellule, il peut s'asseoir sur un lit. Juste besoin évidemment que ça soit un petit peu plus. Allez, entrez, monsieur. Un peu propre au moins, un peu propre, non? Là c'est tout dégueulasse. Celle-ci on l'a fait nettoyer, celle-ci, c'est la seule qu'on a fait nettoyer. C'est la plus propre, on l'a nettoyée il y a 15 jours, les autres c'était 3 semaines. Ah. Allez, monsieur, je vous en prie, installez-vous. Je suis installé, hein. Hop, alors vous pouvez enlever votre bandoulière s'il vous plaît? Ça va me gêner un petit peu. Alors, attendez, je vais faire ça. Voilà. Alors, ça risque d'être un petit peu douloureux, je vais regarder. Moi, non, vous savez, moi j'ai rarement mal, monsieur. Juste que quelqu'un surveille. Bah écoutez. J'ai une capacité à résister à la douleur qui est hors norme. Ah, ça, j'en doute pas une seule seconde. Vous m'avez l'air d'être un gros dur à cuire. Ah, oui, j'en suis un dur à cuire. Attention, je vais regarder parce que je crois que la balle est toujours rentrée. Vous avez pas de point de sortie, non, évidemment. Allez. Arrêtez, ça fait mal! Ah! De la morphine! Regardez. Je veux de la morphine! Donnez-moi de la morphine! La balle. Ah! Ah! Pitié! Regardez. Pitié! Oh, tuez-moi! Pas de morphine, tuez-moi! Achevez-moi! Bon. Pitié! Oh là là, qu'est-ce que ça fait mal! Respirez, expirez, expirez, tout va bien. Oh là là! Merde. Allez, alors! Un petit peu. Oui. Tout va bien se passer. Je vais vous mettre un petit peu. De baume cicatrisant. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, regardez, voilà. Vous voyez, tout va bien. Oh là 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 là, ça fait super mal, hein. Vous avez de la chance, la balle s'est pas fragmentée, hein. C'était un petit calibre. 54. Oui. Rassure-moi, toi aussi, tu as déjà entendu crier autant une gourgandine ou pas? Ah bon. Voilà. Une alors, par contre, il va falloir que je désinfecte tout ça, ça risque de piquer. Oh non, pas encore. Alors ça va faire beaucoup moins mal, vous inquiétez pas. Beaucoup boire, d'accord. Ah, ça va juste piquer. D'accord. Vous êtes prêts? Oui. C'est vous qui me dites. Allez-y. C'est parti. Non, vous résistez bien à la douleur. J'ai entendu des bandits qui criaient pour moi. C'est bien, vous êtes très fort. Mais voilà, ça fait tellement mal! Bah écoutez, monsieur le commissaire! Le 19 ont arrêté. Pourquoi? Monsieur. Pourquoi? Mais disons que monsieur a couru avec des menottes. Attends, on va décaler pour pas déranger le médecin. Allez, voilà, respirez bien. En fait, voilà, monsieur. Alors, maintenant, il va falloir que je fasse deux petits points de suture pour refermer ça. Vous en avez déjà eu? Dans ma vie en général? Oui. Oui. On lui demande bon, alors vous savez ce que ça fait. Oui, ça fait mal. Vous voulez mordre dans quelque chose? Mettez-moi de la morphine. Alors, je peux vous faire renifler un petit peu d'éther. Ça a un peu moins fort que la morphine, mais vous allez moins sentir la douleur quand même. D'accord. Allez, inspirez bien deux fois. Qui est d'ailleurs la recherché.
Ah, je vais ça va. Ah, ça fait mal. Vous êtes prêts? Oui. C'est vous qui me dites quand on y va, je vais piquer à 3. Allez-y, allez-y. Achevez-moi, achevez-moi. Et 3 jeux. Ah, vous ne sentez plus rien, regardez, je glisse sous la Mais ôtez-moi la vie, ôtez-moi la vie. Ah, écoutez, ça peut se négocier, mais bon. Mais tirez-moi dans le crâne. Je fais le petit mur, regardez, tout va bien. Allez, attention, je pique pour le second. Ah, voilà, ça glisse sous la chair, regardez. J'ai vu des bandits qui pleuraient pour moins que ça. Ah, voilà, regardez, ça ressort. Achevez-moi, par pitié, achevez-moi. Oh, on tire, et puis regardez. Allez, je vous mets le petit bandage tout autour. Parfait. Ça fait retirer sous les 24 heures, ne vous inquiétez pas, ça fera moins mal que ça. Ah. Vous avez été très, très courageux. Oh, merci, monsieur, merci. Oh, bah, je vous en prie. Merci. Et voilà. Oh putain de merde, arrêtez de me tirer dessus les policiers à l'avenir, hein. Franchement ça fait vraiment mal. Ah oui. Ah bon. Très très bien, très très bien. Ah c'est lui, on aurait dit Aaron. Il va falloir votre nom ainsi pas. Que 1 dollar et ce sera tout bon pour moi. Bien. 54, tu veux l'un patrouiller avec moi? Attends. Dénouement final. Il est obligé de donner son nom et prénom. Je vous donne le dollar. Tac. Sergent. Je m'appelle... Vous voulez aller en patrouille avec Gustavo. Moi c'est... Parfait. Yeah. On est... Gustavo. Ah, du coup... Et vous venez d'où comme ça, monsieur Gustavo, alors Bon, écoutez, je vais vous dire toute la vérité. C'est bon, j'en ai assez de mentir. Je vous écoute. Bien. 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 Oui. Il y a beaucoup de monde. Mais oui, ce sont mes agents, oui. Il s'appelle comment pour vous, commissaire, ce monsieur? Eh ben apparemment c'est monsieur Gustavo qui me l'entend de me dire. Ah d'accord, et ça a changé de nom, monsieur Hector Salamanca. Oui justement, c'est bon, j'arrête de vous mentir. Hector Salamanca, monsieur Gustavo, ouais. Vous venez d'où comme ça alors? Ah, vous voulez arrêter de mentir, alors on vous écoute. Oui, vous bon. Vous pouvez partir en patrouille, hein, les agents, ceux qui étaient pas sur l'opération, hein, vous pouvez y aller. Oui. Bien, il faut... Ils veulent pas y aller. Oui, ouais, ils veulent pas y aller. Allez-y, 21-54, s'il vous plaît. Je vais y aller aussi. Attends, finissez avec le médecin et une fois que ce sera bon, on va libérer quand même. Oui, on va pas le. Oui, vous avez besoin de quoi, monsieur? De votre nom, juste pour votre dossier médical. Non, toi, t'étais. Parce que attendez, on va devoir se décaler. Carmen. Gustavo Carmen. Avec le médecin, on peut pas écouter avec les médecins. C-A-R-M-E-N. Décale-toi pour. En fait, c'est le secret médical. Oui. Alors, parce qu'il va falloir votre. J'espère que c'est votre vrai nom, hein. C'est surtout pour. Non, vous. Non, non, c'est Antoine Pichon, mon vrai nom. Mais ne dénoncez pas. Non, mais écoutez, secret médical, moi j'ai rien à dire à personne. Antoine Pichon. Eh ben écoutez, c'est noté. Pensez bien à faire retirer quand même vos points d'ici 24 heures. D'accord. Dans n'importe quel cabinet. Oui. Écoutez, moi j'en ai fini ici. Bon courage avec merci, les agents de police. Merci. Je vous en prie, bonne soirée. Merci. Merci à vous. Merci, docteur. Bonne soirée à vous. Bien, bah alors monsieur Gustavo, Rico, j'en passe là, dites-moi. Non, pas Jean. Ah, bah alors dites-moi, c'est quoi votre prénom et nom? Je m'appelle Gustavo Carmen. Gustavo Carmen, parfait. Vous avez une carte d'identité, j'ai cru comprendre qu'elle était dans votre cheval, c'est bien ça? Non, j'ai déjà dit la vérité à votre ami, mais il a refusé de m'écouter. Ah, mon collègue, mon ami qui? Le petit, là, moche. Pardon? Le petit moche. Pardon? Vous parlez d'un de mes agents là? Oui, je parle de vos agents, mais je. Oui, il faut respecter vos agents. Oui, mais vous savez qu'on a nettoyé les cellules il n'y a pas très longtemps, faites attention, ça glisse. Bon, c'était il y a 2 semaines, il m'a dit. Ah oui. Oui. Et donc. C'est le drap qu'on n'a pas changé il y a 2 semaines. Ouais, et le sol, on le fait. Oui, on le fait régulièrement, oui, ce serait dommage que vous glissiez dans les cellules, oui. Il y a un gang. Oui, un gang. Avec qui j'ai eu une dispute. Oui. Ils portent des bandanas orange autour du cou. Ils habitent à Saint-Denis. Mmh. D'accord, oui, très bien. Bon, écoutez, je suis accro au ticket à gratter. Voilà, déjà, tout part de là. Ah, vous aussi. Oui. On est deux. Oui, voilà, je suis accro au ticket à gratter. Il se trouve que j'ai perdu 50 dollars au ticket à gratter et que j'avais emprunté à ces personnes. 50 dollars, bon, ça va, c'est pas grand chose. Oui, mais il se trouve que ces personnes étaient dangereuses, d'accord. Mmh. Ils m'ont. Bah évidemment forcé à leur rendre, vous comprenez? Oui, je comprends, oui. Et du coup, ils m'ont attrapé, ils ont été très très virulents avec moi. Et ils m'ont dit, tu vas nous les rendre d'une manière ou d'une autre. Et donc d'accord. Du coup, là, ils m'ont envoyé vendre de la cocaïne. Et ils m'ont confisqué mon revolver, ainsi que ma carte d'identité, et ainsi que certaines de mes affaires. Et tant que je ne leur ai pas remboursé, je n'aurai pas accès à ces affaires, vous comprenez? Monsieur le commissaire. Tout à fait, oui. Et il est là tout mon problème. C'est que je n'avais pas le choix.
Je ne suis pas un dealer de bas étage. Bien sûr, bien sûr. Et quand vous avez fait votre recensement, vous êtes recensé, on est d'accord, vu que vous avez une carte d'identité. Vous l'avez fait où exactement? Dans quelle ville? Comment ça? Ben, vous avez dit que vous avez été recensé, vu que vous avez une carte d'identité, on est d'accord sur ce point-là? Oui. Donc, vous l'avez fait dans quelle ville, le recensement? Je l'ai fait Armadillo. C'est pas possible. Enfin, si, c'est peut-être possible, mais du coup, vous avez pas une carte américaine? Non. Et il faut vous recenser aussi en Amérique. Ah bon? Ben oui, vous savez que nous sommes en guerre avec le Mexique. Bah oui, je savais, mais moi, je savais pas que les civils, on était impactés par ça, hein. Ben bien sûr que si, en gros pour le Mexique, enfin le New Austin, vous avez une carte mexicaine. Et oui. Pour les États-Unis d'Amérique, vous avez une carte des États-Unis d'Amérique. Oh ben mince alors. Vous étiez peut-être pas au courant, mais vous savez, nous avons le temps, nous pouvons vous recenser, monsieur... Bah oui, bah Rodrigue, non, je sais plus. Gustavo Carmen. Gustavo Carmen, monsieur Carmen, on peut monsieur vous recenser. Carmen. Ah oui, je veux bien. Eh ben parfait. Bah oui. Bon, bah, on va vous prendre votre identité, oui. Etc., etc. Pour ça. Oui. Par contre, pour la vente, dis-moi, 14, comment ça s'est passé? Juste pour finir. Oui, il finissait. Il est vrai que j'ai fait deux ou trois petits délits de fuite. D'affilée. Si vous voulez, je peux vous raconter toute l'histoire. Mais deux ou trois, on est bien gentils. Il se trouve que quoi? C'est que si il s'avère que je ne ramène pas ces 100 dollars que j'ai sur moi. D'accord. Mais puisqu'il a 100 dollars. 100 dollars. Oui. Ah oui, il a avoué qu'il avait bah 100 oui, dollars. 50 dollars. Je suis un homme mort. Mort. Vous comprenez? Je comprends totalement. Je comprends totalement. Mais ah oui. Oui, mais bon, vous savez que c'est une monnaie totalement illégale. Je l'entends bien. Il y a d'autres problèmes à tout ça, commissaire. Non, il n'y a pas d'autres problèmes à tout ça, commissaire. Oui, c'est que l'officier 54, oui. Il reconnaît à 300% ce monsieur comme étant Antoine Pichon. Ils sont recherchés, les Pichons. Et c'est ça, la famille Pichon est recherchée. Donc sans carte d'identité, on ne peut pas le prouver. Donc on est et c'est ce monsieur Pichon, là, il est recensé aux États-Unis d'Amérique ou pas? Je pense que oui. Parce que s'il est recherché, bah, tu vas regarder dans la feuille de recensement. Par contre, si c'est à Rhodes ou j'en sais rien, faut qu'on aille à Rhodes, mais on peut regarder par rapport à la photographie. Si par contre, s'il n'est pas recensé, moi je me tape pas jusqu'à Mardio, hein, j'en ai rien à foutre, hein, moi je vais pas là-bas. Hein. Attendez, je regarde ça. Tout ce Trafalgar pour une vente de cocaïne quand même, messieurs. Et oui, c'est pas faux, mais bon, vous me dites que vous avez 100 dollars, monsieur. Bah, je vous les donne volontiers, mais juste, sachez que je suis un homme mort. Tant pis, je gratterai un ticket à gratter, je gagnerai 50 dollars et je les rembourserai, hein. Oui, mais ne rentrez pas dans ce vice. J'ai été dans ce vice-là, j'ai perdu pratiquement 500 dollars. Waouh! Et puis, ne rentrez pas dans le jeu de la roulette, par contre. Hein. Strawberry! Ah, parce qu'il y a une roulette? Il y a une roulette, il y a du blackjack, il y a du poker aussi. À Strawberry? À n'importe où. Arrêtez, où ça? Bah, à Saint-Denis, à la Bastille, il y a, comment on appelle ça, du poker. Sinon, au bateau hôtel, vous avez la roulette. Aussi, Et le blackjack, vous l'avez à Rhodes, hein, au saloon de Rhodes. Je vois rien sur la carte. C'est normal. Hein. Ah bon? Mais voilà. Il faut aller à l'intérieur du saloon. Ah, c'est dans le saloon? Oui, affirmatif. Venez, on va se faire une partie, non, lieutenant? Commissaire? Oui, nous sommes en plein service, mais pourquoi pas un jour? Oui, avec grand plaisir. Bah non, mais venez, on y va maintenant, prenez votre pause. Et c'est compliqué, je viens tout juste de commencer le service, vous savez, j'ai beaucoup beaucoup de travail. Mais écoutez, pour le recensement, apparemment c'est Strawberry, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, bah, essayez d'appeler Strawberry, voir s'ils ont le registre, sinon on laisse tomber, hein. On va pas prendre 3 heures non plus. Bah bon, oui, ça, il y a d'autres choses à fouetter, le commissaire, vous croyez qu'il a que ça à faire? Apparemment, la banque de Saint-Denis a été braquée il y a une semaine. Hein. Affirmatif, oui. Ah oui. On a réussi à en choper quelques-uns. Oui, malheureusement, il y en a deux ou trois autres qui ont réussi à s'échapper. Oui. Ah oui? Mais. Non, merde. Quand j'étais, c'était un bain de sang. Hein. C'était quelque chose d'affreux. Hein, oui. Des agents à vous sont tombés? Affirmatif, oui, oh. Des agents. Et vu que j'étais à l'extérieur, de personnes se sont échappées à côté des rails de non, train. On n'avait qu'un seul agent, comme ah, qu'un seul. Ah bah qu'un seul. Ah, ouais. Oui. Des amateurs, des rigolos. Hein. Ces gens-là, oui, notamment une personne qui se prétendait comme nettoyeur de tombes jusqu'à ce que bon, il fasse une boulette. Mais bon. Ah. Oui, vous avez entendu, apparemment, un train aussi serait fait dérober hier. Hein.
Oui, affirmatif, oui, oh là là, c'est quelque chose en ce moment, ouais. La criminalité monte de jour en jour. Ah oui, surtout qu'apparemment, il y aurait plein d'agents qui auraient été tués, hein. Oui, couché, oui, effectivement, oui. J'en ai les séquelles encore. Ah, vous y étiez? J'y étais, et puis surtout, c'était mes saisies, bordel de merde. Ah oui, ils vous ont pris quoi? Deux canons sciés, mon molotov, des armes, enfin bon, c'était quelque chose d'affreux, hein. Oui, ce genre de choses. Vous êtes sûr pour les molotovs? Apparemment, d'après les rumeurs, hein, ils auraient pas pris les molotovs. Ah oui? Oui, d'après les rumeurs. Alors ça veut dire que c'était le cheminot qui me les a volés. Ah, peut-être bien, hein. Bah, de toute façon, j'ai toujours su qu'ils étaient, bons, c'est pas grave, on abandonne alors pour ça. Pour le recensement, dans tous les cas, les cartes d'identité, il est recensé, il ira la chercher tout à l'heure. Oui. Écoutez, il avait combien de cocaïne sur lui, là? Zéro. Plus rien. Ils m'ont eu sur ma dernière vente. Très bien. Son cheval quand tu lui as demandé ses cartes d'identité. Non, je vous assure que non, Oui, je vous assure. Bien, et bien écoutez, ce que vous allez faire là, c'est qu'il avait combien de dollars et s'il en avait 100? Oui. Bah, bon, j'ai pas eu le temps de regarder dans ses bourses, c'est ce qu'il dit. Bon, sa vie est en danger quand même. Vous lui en prenez une trentaine, là, il se démerdera pour trouver la fin, d'accord? Oh, merci. Bien. C'est bon? Oui. Et on lui met la boîte des 50 dollars pour le dopant de la carte d'identité? Son histoire, elle me paraît quand même vraie, hein. Par contre, monsieur. Je sais toujours. Carmen. Plus. Monsieur Carmen, vous avez. On est quel jour? On est le 3, 4, 5. Allez, vous avez jusqu'au 5, 6 grand maximum pour venir nous montrer votre carte d'identité, d'accord? D'accord. Bien. Bien. Allez-y, du coup, vous oubliez l'amende, vous lui reprenez par contre ses dollars. Et cela, un coup de pied dans le cul, ça dégage. Attendez, je vous fais des liasses. C'est pas pratique, 30 Merci, dollars, hein. Monsieur Carmen. Ah bah oui, hein. Monsieur Carmen, c'est à la banque, 30, aussi plus comment on doit l'appeler. Allez, sorti. Merci, monsieur. Par contre, monsieur Carmen, si j'apprends que c'est faux ce que vous êtes en train de me dire, je vous assure que moi je vais tout. Hein, oh non, monsieur, pour croyez-moi. Son, hein. Ah non. Bon, bien. 100% vrai, 100% véridique, monsieur. Bien. Croyez-moi. Ne suis pas un menteur. Approchez-vous de moi, monsieur Carmen, s'il vous plaît. Je vous rends votre T-Shield. Oui, merci. Et avant de partir, tu le prends en photographie, comme ça j'ai sa tête au cas où. Votre couteau, votre lasso. Qu'est-ce qu'il faut à poil d'ailleurs? J'étais blessé. Ah, mais il était blessé. Par rapport à. Oui. Bah oui, il était menotté. Oui, mais vous avez bien fait. Ouais. Oui, c'était mon baron d'honneur. Je me suis dit, bon, perdu pour perdu, autant tenter un dernier. Mettez-vous contre le mur là, face entre les deux boules du mur, s'il vous plaît. Ouais, entre les deux lumières. Enlevez votre chapeau. Attendez, oui. J'enlève mon chapeau. Bah oui, je vais vous prendre en photo. Très bien, regardez-moi bien, droit dans les Cheese. Yeux. Et c'est parfait. Cheese. Et c'est bon, c'est dans la boîte. C'est bon? Oui, très bien. Super. Allez, venez avec moi, je vous accompagne. Merci. Allez, super. C'est comment vous m'avez dit votre nom et votre prénom? Gustavo Carmen. Et Gustavo, vous l'écrivez comme Gustavo et Carmen comme Carmen? Carmen, C-A-R-M-E-N. Très bien. Allez, ça bonne va. Soirée, monsieur Carmen, au plaisir. Bah, merci, hein. Au plaisir, au revoir. On pue jamais ce genre de choses, attention. Et du coup, à dans 3 jours. Oui, à dans 3 jours. Merci. Sans faute. Au revoir. C'est maintenant que tu viens, Kika? C'est maintenant, hein, maintenant que tu viens. Bah oui, connasse. Ok. Ok, bon. Plutôt bien sorti. Je vais chez le coiffeur. Là, frère, là, je suis méconnaissable, hein. En vrai, ça va. Il est pas immonde. Bon, il était mieux en V1, tu vois, mais bon. Franchement, petit flow. Moi, je vous le dis, petit flow, hein. Je dirais tu prends tout le temps la même chose. Ben en fait, j'ai... Genre en gros dans ma tête, regardez dans ma tête comment je marche. Et ça marche pour GTA aussi ça. En fait dans ma tête je me dis ok, ce perso il a plus ou moins ce style là tu vois. Et du coup j'essaie de faire toujours un petit peu en fonction de ce que je me suis mis dans ma tête comme idée. Vous voyez ce que je veux dire? Attends, où est-ce qu'il est Junior?
un bon streamer. Bonsoir mon gueux. Ah bah Rico. Vous êtes qui vous? Antoine. Vous encore faire du mal? Non, c'est Antoine. Quoi? Oui. Qu'est-ce que vous êtes arrivé à vous? Ben... J'étais recherché la chambre de prison. Ah oui. J'ai réussi à m'en sortir mais de peu. Du coup là je me suis changé, j'arrête de faire le fou. Ah oui, ne vous faites pas attraper, c'est un conseil hein. Oui. Ah oui, parce que... Il y a Junior à droite. Moi j'ai fait une tentative de meurtre. Ah, ils t'ont attrapé toi, le truc des familles Pichon? Ah oui. Bah oui, moi j'ai pas couru. Et c'est bon, t'es plus recherché là? Je ne sais pas, bah si, je crois que si, mais je ne sais pas. Mais vous voyez quand j'ai été chercher le fermier? Oui. Bah il se pourrait qu'il y a un de ses amis qui a sorti un revolver et que je lui ai pompé sa famille. Du coup j'ai pris tentative de meurtre. T'as dit quoi? J'ai pris 130 dollars. Merci. T'as payé là ou pas encore? Non, pas encore, j'ai 72 heures pour payer. Rico? Bien le bonsoir! Rico! C'est bon, t'as réussi à sortir du coup. Mais c'est quoi cette dégaine de plouc? Bah oui, c'est la couverture. Et toi, t'es qui? C'est Morales? Non, c'est Antoine. Oh putain, c'est Mortadelle. J'ai cru que c'était le copain de Rico. Mais bon, ouais. Bah non. Ah oui, t'as été marqué par la vie, hein? Ouais. Bah, ils t'ont fait quoi du coup là? Ben en fait, ils essayaient de savoir si j'étais Antoine Pichon, moi j'ai dit non. Ils m'ont pris. Mais moi, je t'aurais cru, hein. Non, mais j'avais encore mon ancien look, c'est pour ça que je me suis changé. J'ai réussi à m'en sortir là et ils m'ont pris 30 dollars sur les 100, donc ça va. Oh, ça va. Ah, oui. Ça va, hein. Je crois que j'ai pas eu d'amende. Attends, j'ai eu une amende? Non, j'ai pas eu d'amende. Tu sais qu'on était prêt à prendre en otage des policiers pour te faire sortir. Non, 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 t'as bien fait, bah t'as bien fait de pas faire. Oui, j'ai dû calmer Richard. C'est bizarre, il y a pas eu le même engouement hier quand je me suis attrapé. Arrête de courir, toi. Mais parce que hier j'étais peut-être trop mal pour venir t'aider, Rico. Oh non, Richard, il vous défie. Oh non, Richard, vous allez devoir vous battre. Avec qui? Avec le monsieur là. Oh. Qu'est-ce qu'il a? Alors toi mon con, j'arrive. Venez, on l'attrape. Je vais le battre. Ah, mais c'est Wade. Oh Wade, désolé. C'est qui Wade? Je vous en veux, je vous ai attendu à ma soirée. Ah bah oui, mais moi j'étais derrière les barreaux à ce moment-là. Putain, mais je ressemble à Dutch. Votre doux visage. J'ai eu des gros problèmes. Je ressemble pas à Dutch pendant votre spectacle, désolé. Ah bah j'imagine, pas de problème. Bah oui hein. Bah oui, ça arrive hein. Bon bah en tout cas ça me fait plaisir de voir. Non, on va aller chercher Julien. C'est toujours un plaisir. Bah oui, mais pas maintenant, faut attendre. C'est bien parce qu'avant t'avais un style de couillu, maintenant tu t'habilles bien. Ça se voit que t'as fait de l'argent. Tout à fait. Mais c'est qui ce mec? C'est Wade, je le connais depuis quelques jours. Il m'a aidé pour beaucoup de choses. Ah oui? Rien pour l'instant, mais il m'a dit qu'il allait m'aider. Ah. Mais c'est un bon hein. Ah oui, mais t'es toujours occupé, je veux pas non plus. Oui, oui, mais sincère salutation tout le monde. Eh ben merci. Bonsoir Wade, monsieur, hein. Bonsoir. T'as une scoliose maintenant, félicitations. Ouais, vous. Oui, mais, si tu veux qu'on parle à faire, on en parle, hein. Pas de problème. Oui. Bah en vrai, maintenant on est plutôt calé, hein. On est plus des petits vagabonds, tu vois. On est des gens de la haute maintenant, pardi. Croisez votre qu'est-ce qui t'arrive, Junior? Et le premier? Et oh non, rentrons, il pleut. Oh non. Oui. En plus, la tempête va être longue un petit peu, je sais pas si vous avez vu. Enfin, ah oui, c'est vrai. Longue 5-10 minutes, hein. Quoi. Oui, c'est une grosse tempête. Ouais. Oh. Ah. Oui, d'ailleurs, je parlais de votre... Tout à l'heure, vous cherchez un ami, non? C'est à bois. Le grand gaillard, là, devant moi. Ah oui, oui, mais c'est le monsieur qui est à côté. Ouais, et puis je l'avais proposé, du coup... Oui, il est vraiment allé maintenant, Antoine. Hein. Il a un bateau. Je trouve pas, hein. Si Moi, t'as vu, j'ai attaché mes cheveux. Ah oui, ça te va bien, oui. J'ai failli faire cette coupe. Ouais, ils en ont rien à foutre. Bah là on peut t'appeler Antonio, ça marche hein. Tu me trouves vraiment moche? Moi je trouve que ça va. Enlève ton chapeau. Antoine. Oui. Je pense que vous avez toutes vos chances oui, et calma maintenant. La coupe est bien, c'est la barbe que j'aime pas. Tu fais vraiment mexicain hein. Là vraiment je me trouve plus beau qu'avant, objectivement. Oh oui. Non. En fait avant c'était moi, j'avais mon petit charisme tu vois. Mais là je me trouve plus beau, je suis plus soigné. En fait j'avais une grosse barbe un peu dégueulasse et des longs cheveux un peu dégueulasses tu vois. Alors que là ça se voit que je suis soigné. Merci mon chaton. D'accord. Alma va tomber des nues. Rico, il s'est passé quoi en quelques jours là, d'un coup avec le style? Bah, on est recherché en fait. Bah oui. Ah, bah oui hein. Bah, je préfère. Ah oui d'ailleurs Antoine, ils vous veulent beaucoup hein. Qui? Ah bah les shérifs. À Blackwater? Oui, ils m'ont demandé si c'était vous avec moi, j'ai dit non, que c'était Hector. Ok. Parce que là ils étaient prêts à retourner au style vous chercher, hein, je vous le dis. Ils sont dingues, bah oui. Mais du coup j'ai pris 18 heures de prison. Tu vas quand? Bah j'ai déjà fait. Ah tu y allais direct? Bah non, j'ai fait 18 heures de cellule. Ils m'ont laissé 18 heures de cellule. Venez on va vers la gare. On avance un petit peu. Aïe.
Je peux vous parler de mon plan, enfin de mes services avant, que, avant de vous laisser. Ah oui, bah, allez-y, allez-y. Oui. Allez-y. Oui, comme tout à l'heure, vous aviez un petit problème vers le port. Moi, j'avais un bateau. Et tu es chaud, Rico. Dommage que vous n'avez pas trouvé plus tôt. Ah oui, ah oui, les losses. Et je vous aurais escarpé en bateau, quoi. Donc, si à l'avenir vous avez besoin d'un plan d'échappatoire, oui. Je suis là. Ah, vous avez un bateau. Oui, Wade. Oui, Wade. Ouais, c'est un bon Wade. Un bateau à vapeur, assez rapide. C'est un Rico Bis. Mais pour transport ou quoi, pour éviter les douanes, c'est un bon procédé de prendre le bateau. On met combien de temps, par exemple, pour aller de Saint-Denis à Armadillo en bateau? En bateau, mais... J'y suis jamais allé. J'irai... Une semaine? Non. C'est à 130, 150 vols de corbeau, oui. En fait, on va devoir s'arrêter à Thievelandine, quoi, et continuer à cheval. Mais au moins, vous pouvez passer toutes les frontières, Saint-Denis, Blackwater, ainsi mais de suite. C'est un bateau au charbon, c'est pas avec des rames. Non, c'est un bateau à vapeur, monsieur. À vapeur, oui. Mon jeune Richard. Et ça fait... Comment ça marche, bateau à vapeur, c'est du charbon? Voilà. Ah oui, mais dans tous les cas, c'est du charbon, oui. Bah oui, c'est oui, ça doit être fait à base de charbon, de vapeur de charbon, oui. Bah voyez, Junior, vous allez pouvoir devenir cheminot. Je te le rachète deux pécules. 3, 4. J'ai acheté un peu... Le charbon, vapeur, les mecs. Oui, mais on a mis combien en mais en soi, c'est pas non plus très cher, hein. Si vous vous mettez à 4, c'est $160 à peu près. Un bateau? C'est pas excessivement cher, oui. Mais déjà, on cherche une maison. Oui, bah les amis, économisez, parce que la banque va être salée. Trouvez-vous un coffre plutôt, non? Une maison, ça va être compliqué. D'ailleurs, en fait, on cherche une ferme plutôt, oui. Bah oui, mais on n'habite pas à l'endroit où on a dit l'autre jour. Non. D'accord. Non, on déjà. On a encore trouvé cette gourgandine. On va aller récupérer la taxe qui nous doit à l'autre con là. Ah oui, Jim. Oui. C'est une mauvaise idée. Pourquoi? Ah bah. Parce que les crawls, ils veulent notre cul. Les aliens black, ils vont vouloir notre cul. Depuis quand on fait pas les mauvaises idées? On a toute notre vie, c'est des mauvaises idées, Rico. Bah oui. C'est vrai ça. Après, oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils t'en ont parlé, les. Ah bah oui, j'ai pris tentative de meurtre parce que j'ai pompé un fermier quand après j'ai fait. Après oui, c'est... pourquoi t'as fait ça? Nous on veut les racketter, pourquoi tu fais des trucs bizarres comme ça avec eux? Bah non, alors j'explique. Ah nous on veut les racketter, toi tu les pompes. Non, j'explique, quand j'ai été chercher le fermier, vous vous souvenez quand j'ai été chercher le fermier? C'est donc ça l'irritation de la gorge. Et ben, il y a un fermier, je suis en train de lui prendre ses armes, sauf qu'il y a le patron qui est rentré. Il a tiré mon attention et pendant ce temps-là, il y a le mec, il a sorti son arme et m'a tiré dessus. On va la fin de l'histoire plus tard, hein. Aïe, elles sont trop longues ces histoires, Rico, vraiment, t'as vu comment elles sont longues? Aïe, quoi? Parlons. Oh. Oui. Parlons. Mais elles sont pas trop longues. Moi je vais te dire. Putain, je dois aller voir le mur là-bas. Oui, et bah dans 5-10 minutes. Ah bah il y a. Oh, ouais, je me sens mieux. C'est bon. Antoine, pensez que nous devons tuer Augustine pour sa maison? Non, je pense pas. Ah oui. Ouais, très bien. Allons prendre le train là, on retourne dans le Nouveau-Mexique là, je me sens pas bien. Non mais sérieux. Où, Richard? Là, mon look, t'en penses quoi? Mais vraiment, blague à part, ce que j'ai dit tout à l'heure, mais tu m'as pas écouté. Là, tu te fais passer pour un Mexicain, ça passe, hein. Un riche, bah oui. Vous dites que vous êtes riche. Bah oui. Je vais aller voir Alma, là, on va voir ce qu'elle va dire. Hein. Sur ton charme. Oui, oui, oui. En plus, là, vous faites bien Mexicain, elle n'aura plus d'excuses. Allez, on fonce à la gare. Ah. Antoine, on voit pas ton cheval. Bah, je vais à la gare, de toute façon. Benedict Point, du coup. Benedict Point. Non. Si, c'est Benedict Point d'Armadillo. Oui. Moi, je déteste Saint-Denis. Jusqu'en morture. On va à New Austin. Par contre, on n'a pas attendu Richard. C'est Benedict Point. Benedict Point. C'est parti. Eh oui. Note de patch. Bon, on va lire le patch note pendant ce temps. Alors, nouveau script de vêtements. Nouveau script d'ensemble de vêtements. Nouveau script de tatouage. Oh. Nouveau script de mini légal. Nouveau menu de favori d'Emotes. Oh, vous avez vu, Antoine? Vu quoi? D'après les rumeurs, il n'y a plus de coffre à New Austin. Il m'a baisé, j'ai perdu le truc de patch. Non, plus du tout, aucun coffre? Bah oui, c'est ce que la rumeur vient de me dire. Ah, il m'a baisé, putain, du coup, vu que j'ai appuyé sur MB4. Ah non, en fait, je crois qu'ils en ont retiré qu'un. Je sais pas. Il m'a baisé. Qu'est-ce que c'est? Oh
Attendez. Ah, on se sent mieux à la maison quand même. Ouais. Note de patch. Oui. Alors, ok. Nouveau menu 10 modes favoris, ajoute vêtements de police, ajoute vêtements guardia, ajoute vêtements docteur. Mise à jour des chevaux, ajoute couleur, mise à jour des charrettes. Uniformisation des dégâts, plus de headshots. Non ! Bah. Bah quoi ? Si je te fais une... Si je te colle une balle dans le crâne, t'auras aussi mal que si je te mettais une balle dans le torse. Vous avez vu ? De quoi ? Tu t'es touché ? Bah oui, tu m'as touché. T'es sûr ? Ouais, ouais. T'as eu mal ? Bah oui. Rico, je vois pas ton cheval. Pourquoi tu me fais ça ? T'as vu ? Je t'ai mis une balle dans la tête et t'es pas mort. Ah ouais ? Rico, on te voit pas et on t'entend pas. Mais non, y a plus les balles dans la tête, vraiment. Oui. Mais Antoine, c'est bien. Ça évitera au gredin de nous prendre par surprise. Oui, c'est vrai. Moi, je vous le dis. Hein. Oui, c'était drôle quand même. Ah oui, mais là, vous avez un fusil à pompe junior, ça servira vraiment, vous allez voir. Tu me saoules, Ninja, tu me saoules. Je vous le dis. Bah là, du coup, oui. Hein. J'arrive pas à donner à manger à mon cheval. Est-ce que vous pouvez essayer de lui donner à manger ? Retrait d'un coffre, braquable dans New Austin, correction diverse. Bonjour, chaman. Vous me voyez là sur mon cheval ? Non. Tu vois ? C'est vrai ? Tu vois le mien ? Bah oui, je vais monter avec vous, hein, tant pis. Oui. Oui, en vrai, bon, c'est une bonne chose pour moi, au moins je me ferai pas éteindre à chaque fois. Hein. C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup vu la lumière. Oui, bah oui, à chaque fois, oui. C'est moi qui prends. Sauf au train c'était sympa. Mais oui. Ah putain, c'est Ballyfield que j'ai. C'est Ballyfield. Vous avez trop d'armes, Junior, j'ai l'impression. Hein. En fait, bah non, c'est quoi un pot, vous avez l'air d'être plein d'armes. Mais toutes mes armes, on me les a données. J'ai pas un sou. Trident. Oui, ça éviterait les balles de smotion dans la tête, c'est vrai. Encore, Mais oui, il faut mourir. Hein. Allez, on va Armadillo. Pistolet. Let's go. Allons, Armadillo. Tu vois Alma, toi. Moi, je pense que vous êtes irrésistible maintenant, Antoine. Descends ton cheval et remonte, Junior. Ah oui, ça fait des crayongs. C'est bon ? Ah oui, non. Non. C'est vrai qu'il faudrait qu'on voit pour une maison, mais bon, laquelle ? Nous sommes déjà en Dessie. Non, on va pas être en Dessie, on va prendre n'importe quoi qu'on verra là, et voilà. Ah, c'est bon. Bon, d'accord. Le temps qu'on ait au moins un coffre. Pourquoi les chats ? Ah oui. Mal, ça a des mamelles. C'est déjà, il a des mamelles, wesh. C'est bizarre. Yeeha, cowboy! Faut que je paye 132 là. Oh. Font chier. Oh, tu les as de toute façon, hein? Bah oui, je les ai, mais bon. Je commence à plus avoir d'argent. T'as pas de téton, toi? Il me reste 1000 dollars. Ah ouais, c'est vrai. Et 500 dollars. Donc il me reste 1000 dollars au total. C'est pas beaucoup, hein? Faudrait que tu me les donnes, que je puisse les mettre dans le compte de la famille. Ah oui, oui, ça doit être ça, non ? Bah oui. Ah bah oui. Et l'argent de la banque, on va s'en... Waouh ! On va s'en charger pour avoir de l'argent, une maison. Bah oui. Et oui. Et bon, il faut que tu mettes ta part, il faut que tu mettes ta part aussi. Bah j'étais là au braquage, pardi. Ah oui, mais ta part personnelle, quoi, je veux dire. Bah vous savez que j'ai déjà payé 100 dollars pour vous, hein. Ah oui, pourquoi ? Bah, pour la guardia, quand on a tiré contre les Jackson. On ouais. avait une amende de 100 dollars, je l'ai payé de ma propre poche. J'ai l'impression que vous voulez me racketter. Non mais bon, c'est l'argent du groupe quoi, l'argent du groupe c'est l'argent du groupe hein. Ah oui mais l'argent je l'ai pas fait avec le groupe. Moi je trouve que c'est une bonne chose le fait que la tête elle est plus solide. Hein, moi je trouve pas. Ah oui ? Je trouve ça satisfaisant en fait. Bah oui, mais vous allez peut-être pouvoir faire un pas avant de tomber au sol maintenant. Oui. Ah bah oui. Vous allez voir là pour l'instant, vous dites c'est nul. Parce que vous êtes pris des balles et vous avez pas pu encore en mettre des comme une demie, mais bon.
Mais par contre là votre canoncier ça va être incroyable dans les situations maintenant. Moi je vous le dis. Vous savez que vous pouvez démembrer avec ça? Oui. Ah oui c'est très fort. Bah hier je voulais lui retirer ses jambes à l'autre là que... Django il avait une embrouille. Ah oui. Je voulais lui retirer un genou oui. Bah c'était peut-être un peu abusé non? Ah oui Rico il débite hein. Bah, Rico c'est un débiteur. C'est un sauvage, hein, il méritait en vrai. Moi Msou je fais que lui dire. En plus toi il raconte sa vie. Et en plus il est long pour raconter des histoires. Il y a plein de chevaux. Moi j'oublie pas ce qu'ils m'ont fait hier. Hein. Qui? Bah oui, ils m'ont rasé. Oh merde. Et bon, je m'en occupe. Antoine, fuyez. Pichot là. Oui. Antoine, courez. Pichot. Venez, monsieur. Oui, merci, monsieur. Bah oui, mais nous faut rien poser par terre. Gracias. Hein. Bah oui, gracias tout. Je vous donne ce que je vous demande, dame. Hop, vous appelez comment, seigneur? Moi, c'est Lamar. Lamar Stone. Lamar Stone. Le lait? Tu me reconnais? Attends, bouge pas. T'es plus blond là? T'as encore changé? Ouais. T'as vu? Ouais, t'as pris les mêmes gants que moi là du coup? Ouais. Je suis un peu ton idole en fait. Non, j'aime bien les gants. Ah ouais, où est Alma? Je veux lui montrer. Le deal, mais très bien. Je veux lui montrer mon nouveau moi. Tu penses que je vais lui plaire comme ça? Voilà, c'est d'un vrai bandit là comme ça quand même. Hein. T'as dit quoi? T'as l'air d'un vrai bandit là. T'as vu? J'ai l'air d'un Mexicain avec ma petite moustache et mon petit bouc. Oui, c'est vrai que ça te va plutôt bien, oui. Ah. Ouais, oui. Et fais-moi ton petit chapeau, non? Oui, j'ai un petit chapeau, mais je suis pas très satisfait. Ouais, non, moi non plus, je suis pas très satisfait. Ouais, moi non plus. Il me semblait plus beau quand je l'ai acheté. Oui, eh oui. Bah, c'est pas grave, ça c'est. Tu as dépensé tes sous là. Oui, c'est pas grave. Bon, ouais, Alma. Bah, j'en sais rien, moi. Ah. Ça devrait pas tarder, je pense. D'accord, merci. Il est trop beau ce jeu, frère. Ça va la maman? Oui. Bah t'en penses quoi de mon nouveau look? On dirait un shérif. T'es pas sérieuse. En fait le marchand il est presque habillé comme vous. Mais arrête. En fait le haut, enfin ta veste, c'est l'ancien uniforme de la Guardia quoi. Et Alma, elle aime bien les anciens uniformes de la Guardia? Popopo! La maman, comment ça va? Ça va et toi? J'adore ton poncho. Il est beau, hein? Tu crois que j'aurais dû mettre un poncho? Oui, y en a si tu veux à Tumbleweed. Ouais. Attends, je vais aller voir si les Jackson pourra exploser la tête. Une seconde. Oui! Bon. Rico, viens! Ah oui, mais il me dit que je suis un gringo, il me frappe. Oui. Je veux juste voir si quelqu'un à l'intérieur de ce saloon. Attendez, vous voulez pas... oui, bon. Il y a quelqu'un. Il est tout seul. Vous me laissez bander? Je viens de me prendre un coup de poing. Pendant que vous êtes à l'intérieur, je me bande. Mais c'est pas le saloon, ça. Non mais c'est pas le saloon ça. Oui c'est notre moment. J'ai envie de rentrer, de lui exploser la tête et de repartir. Bah non, on ligote. Ah ouais. Bonjour. Mais tu l'as rien de mon choix non?
Allez, viens là, petit fils de pute. Enfant de caca. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui, je me magne. Alors, comme ça, je devant mon saloon, à côté du bureau de la Guardia. Oui, devant ton saloon, à côté du bureau de la Guardia. Oui. Tu montes tout, monsieur? Je vois pas ton cheval, attends. Oh merde! Ah oui, ça va un peu. Ah oui, fait chier. Ouais, je vois qu'on porte ses couilles en tout cas. Oui. Ah oui, on porte ses couilles. Je vous rejoins. Vous le voyez là? Non, toujours pas. Oh, fait chier, ben je vous suis. Vous avez changé de coupe de cheveux aussi, j'ai l'impression. Ouais. En plus, c'est lui, hein. C'est lui, on est d'accord, c'est lui. C'est lui que j'ai pris au lasso. Et alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et toi? Ouais. J'ai l'impression que ça vous plaît d'avoir l'avantage pour une fois. Ah oui? Vous allez voir que je vais pas l'utiliser pour rien cet avantage. Ouais, bien. Tu peux me croire. Mais oui, on est aussi stratégique que vous, monsieur. Oui. Oh, j'ai bien l'impression, ouais. Quand vous tirez à l'improviste. Oui. Mais oui, faut parfois être intelligent, hein. Oh oui, j'imagine. Mais oui, pardi. Oh oui, il y a déjà le trou creusé. Mince. Ouais. Déjà vous allez bien, mon brave. Ça pourrait aller mieux. Ah oui. Ça pourrait aller mieux, hein. Vous permettez, je vais regarder ce que vous avez dans vos poches. Bien sûr. Ça sent pas trop de choses, j'ai l'impression. Non. Oh, j'ai demandé si je peux le tuer. Ce monsieur, il a un Scofield, une bolt à lunettes. Pas grand chose en dollars, hein. Ah oui. Très bien. Bien. Tu sais pourquoi t'es là? Oh, j'ai une petite idée. Oui. Qu'est-ce qui t'a pris hier? Comment ça? Qu'est-ce qui t'a pris hier? C'est à toi que je devrais poser la question. Qui t'a pris de sauter mon frère? Je commence à te faire exploser quelle jambe? Réponds. Ouais, je sais pas, tu me poses une question. Qu'est-ce qui m'a pris? Je te demande, qu'est-ce qui t'a c'est pris? C'est moi qui pose les questions ici. M'exploser une jambe? Oui, c'est moi qui te pose les questions, donc tu réponds à la mienne. Bah vas-y, je t'écoute. Je viens de te la poser, je viens pas me répéter. Alors, qu'est-ce qui m'a pris? Tu es quoi, d'arrêter un de tes gars, le chauve? Entre autres. Sois plus explicite dans ta question. Entre autres. Une vraie réponse. Ne m'oblige pas. Ne m'oblige. Continue à faire l'arrogant. Je l'ai braqué puisque t'as pris. Continue à faire l'arrogant. Oh mon dieu. Essaye un peu. Essaye un peu. Tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais t'exploser la tête. Continue, je t'écoute. Eh bien, j'ai pointé ton gars chauve. Oui. Parce que t'as pris mon mec en lasso. Qu'est-ce que tu veux de plus? D'accord, et avant-hier encore. Hein? Quand vous m'avez tiré dessus en plein milieu d'Armadillo, dans le dos. Pendant que j'avais le dos tourné, hein, par surprise. T'es pas tiré dans le dos, je t'ai tiré dans la tête, je crois. Ouais, dans la tête, dans l'arrière de ma tête. Ah, c'est toi qui as tiré à l'arrière de ma tête? Ouais, ouais. C'est toi, hein? Ouais, c'est bien moi. N'as-tu donc pas d'honneur? Vous avez failli le tuer, comment hein? Comment ça? De tirer... Explique cette petite embrouille qu'il y a eu devant le... Dans la rue d'Armadillo. Je veux que tu m'expliques pourquoi tu n'as pas d'honneur et pourquoi tu tires dans la... derrière la tête des gens. Non. Laisse-moi te donner ma version des faits. Allez, je t'écoute. Donc... Tes petits gars. Et arrête ce ton arrogant! Mais, je suis pas un ton arrogant, je te dis que t'es avec ma voix, qu'est-ce qu'il te faut de plus, putain? Ne sois pas si confiant! De toute façon, je suis dans un trou attaché, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Oui. Donc, je te disais, tes petits gars ont pris la tête au mien, le temps est monté, je pense qu'un de mes gars t'a menacé avec un couteau, un de tes gars a sorti son fusil et a braqué mon gars au couteau, j'ai réagi en conséquence, un de mes gars a été braqué, j'ai sorti mon arme et j'ai descendu ton gars. Et je t'ai ensuite descendu. C'est Junior. Donc, je réitère. Qu'est-ce que tu fais là? T'es perdu? Donc tu as tiré dans mon dos. Alors que je n'étais même pas prêt. Hein? Pourquoi ne pas annoncer? Pourquoi ne pas dire écoutez, messieurs? Pourquoi? Mais j'imagine quand même que t'avais bien compris qu'on allait faire virer un thé. C'était une blague quand j'ai dit ça. Quand tu as dit quoi? Comment t'as su qu'on était là? Quand je t'ai dit que j'allais te servir un thé. Tu te souviens que je t'ai dit ça? Non, je me rappelle pas. À l'odeur. Ouais, c'est pas grave. Mais bon, tu te doutais. Taisez-vous, s'il vous plaît, derrière. Cette histoire allait pas se finir en une poignée de main.
Et donc, alors là, donc pour, tirer. Pour le coup, tu me traites d'arrogant, mais donc, cette fois-là, c'est vous qui étiez bien arrogant. Donc, tirer dans le dos des gens, c'est mieux, c'est ça? Mais écoute, c'est ta mentalité. T'avais prévenu à plusieurs reprises de quitter la ville, sans quoi tu aurais eu des problèmes. C'est ce qui s'est passé. Vous avez et qu'est-ce que je t'ai répondu? Qu'est-ce que je t'ai répondu quand tu m'as dit ça? Vous avez pas souhaité quitter la ville. Voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je t'ai répondu quand tu m'as demandé de quitter la ville? Réponds-moi. Que alors, attends que je me souvienne. Rappelle-toi bien. Que vous que tu m'as dit que tu voulais refaire ça demain. Tu voulais reporter ça à demain parce que vous étiez que trois. Ouais, exactement, ouais. Eh bien. Et là aujourd'hui, nous sommes toujours trois. Très bien. Vous êtes combien vous? Je sais pas, je suis tout seul pour l'instant en ville, je crois. À peu près, votre groupe au complet. 7. 7, désormais vous êtes 6. Enfant de putain. Tatin. Je l'ai tué, voilà, voilà ce qui s'est passé. Mais comment ça? Comment ça? Je l'ai tué. Oui. Ah oui? Junior, enterre-le. Enterre-le. Ouais. Ouais, je suis en train de mettre la terre là, tu vois pas? Vas-y, continue. Ouais. Ça va être long, si vous pouviez m'aider, ce serait peut-être plus simple, hein. C'était pas une balle dans le dos, c'est deux balles de chevrotine dans la tête. Jamais. Bien. Enterre-le, Junior, enterre-le. Enterre-le. Je rentre. Espèce de salaud. Eko, viens m'aider, s'il te plaît, ça va vraiment être long, là. Ah oui. Est-ce que je dissèque tous ses membres, histoire que les insectes le mangent? Ben, je sais pas. Ah ouais. Vous l'avez mis dans la tête? Bien sûr. Oh mon dieu. Ah oui. Ça me dégoûte. Tu vois pas que ta tête elle est dans tout, partout là? Bah si, ça me dégoûte. Bah oui. Je veux juste attendre qu'il y ait un médecin là, qui se fatigue pas. Qui se fatigue pas à essayer de le sauver, hein. Non, je crois que je peux pas le loot, non? Peut-être qu'on se masque jusqu'au. Vous êtes sûr que je peux le loot? Pourquoi tu voudrais qu'on se masque? Bah, pour le médecin. Et alors? C'est un médecin? Ouais. Bah oui. Et voilà, j'ai fini. Ma deuxième mort. Mon deuxième crime. Ah oui? Oui. Moi j'en ai pas fait un seul encore. Vous êtes trop mignon. Quoi? Moi je parle de Junior. Pourquoi? Vous vous recueillez? Ouais. Sur la tombe d'un inconnu. C'est un inconnu. Mais regarde, personne vient le voir. Il y a carrément des cactus qu'on poussait dessus. Mais oui, je pense que ce serait mieux de mettre un masque hein, s'il est mort. Honnêtement. Et moi j'ai pas de masque. Bah si, ton masque. Oui mais bon j'ai mon masque de cochon de merde quoi. Bah oui bah c'est toujours mieux que rien. Oui bah non. Bah je crois qu'on peut pas, je vais pas le faire. Oh mon dieu. Bah ouais c'est ça, que, putain, c'est ça que je voulais mettre mais je l'ai pas retrouvé. Ah, imaginons. Pas imaginons. Vous êtes satisfait d'avoir utilisé votre canon chien? Oui, mais je suis pas satisfait que sa tête ait pas explosé. Ah oui, bah maintenant, c'est compliqué. Vous savez, ah oui. Avec la nouvelle médecine, enfin la médecine, est très bien en place maintenant. Ah oui, c'est chiant, hein. Oui. Oui, mais c'est chiant, mais repensez quand ça va être bien. Ah oui, au moins. Rico, qu'est-ce que je peux acheter comme autre pistolet que mon pistolet de catalan de merde? Combien? Bah, je sais pas beaucoup, hein. J'ai une pelle dans mon cheval en plus, je crois.
Hop là. Ah non. Oui mais non. Quoi? Ah ouais, t'aurais pas dû. Non. Ah oui mais non. La guardia va arriver maintenant. Aïe. Regardez le mec qui s'en va là-bas, il va le prévenir. Oh. Mais bon, faut bien, faut bien que je l'enterre, faut bien que je l'enterre. Oui, oui, on avait déjà recouvert avec nos mains. Ah oui, vous voulez vraiment enterrer 6 pieds sous terre. Tu veux qu'on enterre plus loin? On peut l'enterrer plus loin. On le balance dans. Non, laissez-le là. Vous voulez pas qu'on le balance dans la mer? Non, le touchez pas. Dans tous les cas, il est mort. Oui. Enfin, j'espère. Il a pas encore répondu, le gros TV. C'est pour ça que je suis un petit peu en stand-by là. Vous voyez pourquoi? Ils m'ont pas validé encore. Que vous voyez mon cheval? Non, toujours pas. Ni je te vois, ni je t'entends, ni je vois ton cheval. Je deviens fou. Ah oui, tu m'étonnes. Bah oui. Bon, chien. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse pourrir ici, je le ramène devant leur saloon de merde. Oh. Oula. Écoute-moi bien, Junior. Oui. Ah, c'est vrai que on est luisant, quand même. Ah, on est bien luisant. Bah oui, c'est des goulines de partout. C'est sympa ici. Peut-être j'aurais dû le faire avant, j'avais oublié moi qu'il fallait faire comme ça maintenant pour mettre des morts RP. Devient Fonda, t'auras plus à le faire. Masterclass. En tout cas, y a pas de docteur. Commence à faire chaud au milieu de ce désert, moi je vous le dis. Ça commence à puer son corps. On dégage, non? Ah oui, tuons-nous. Ok, bon, on dégage. Monte. Allez, monte. Allez. Ah oui, et moi je vois Antoine à côté de son cheval. Ah oui, encore? Bah oui, c'est pas possible. Moi aussi, mais tant pis. J'ai l'impression que c'est là, c'est depuis là, non? C'est pire qu'avant. Ouais. Non, j'arrive pas à mettre mon... Ah mais non, je suis con. Je pense que c'est le nouveau patch, il doit y avoir des petits bugs de chevaux. Je sais pas, j'attends de voir s'il est mort. S'il est pas mort, je le retuerai, je ferai un dossier, je le retuerai, hein, franchement. Y'a pas de soucis. Un masque, non? Ou un chapeau? Hé! Hey oh. Ah, monsieur? C'est moi, mais tu cours à côté de ton cheval. Ah putain, Richard, ah oui? Tu chevauches à côté de ton cheval. Oui, toujours. J'aime bien. Bah oui, hein. Je viens de tuer un mec.
Comment ça? Je viens de tuer un membre des Jackson, je pense. Enfin, je pense que je l'ai normalement. Tué. Oui, normalement, je pense que je l'ai tué. Ah oui, mais pourquoi? Pour hier, avant-hier, et avant-avant-hier, et avant-avant-hier. Ah bah oui, hein. Tu le vois, mon cheval? Non. Ah non. Mais c'est pas possible. Ah oui. Ah si, c'est possible, hein. Attendez, est-ce que vous voyez mon cheval devant? Non. Fais chier. Ah oui, vous le voyez? Mais c'est vous qui avez un problème, Antoine. Ah bah oui, Antoine. Ah oui? Bah oui, bah ah oui, oui, je crois. Y'a que vous qui me voyez pas sur mon cheval. Si, là je te vois sur ton cheval là, là je te vois sur ton cheval. J'arrivais à donner un ah. Bon cheval. Là vous le voyez, ah, vous le voyez là, tu le vois, oui, c'est bon. Oui, là on le voit. Ok, super. Et t'es dessus. Et je suis dessus, super. Ok, super. Oui, j'ai tué, je pense, le mec de Jackson. Oui, il a pris des coups de canon chier. Hein. C'est celui, oh là, oui, celui qui m'a tiré dans le dos, tu te rappelles en Armadillo là. Le jour où je suis venu, je t'ai trouvé au sol. Oui. Ah oui. En plus, je l'ai tué, il m'a énervé parce que j'ai attrapé dans son saloon. Il m'a dit: ah oui, tu m'attrapes dans mon saloon en plein milieu de la ville comme ça. Et bah oui, fils de pute, allez, boum. Calmez-vous, calmez-vous. Non, mais ça m'énerve, moi je suis énervé. Oui, j'entends, mais bon. Ouais, c'est quoi tous ces chevaux? Ah, c'est les gens qui changent. Mais. Je me suis battu avec un gredin qui m'a dit que c'est un gringo. En plein milieu de la ville comme ça? Ah oui. Bah, t'es un gringo. Bah non, je m'appelle Rico Calavera. Hey, chum! T'es comme un gringo. Oui, j'ai à double. Antoine, on va chercher une maison vite fait ou pas? Bah viens, on va à la ferme voir s'ils sont là-bas, les vieux là. Antoine, je crois qu'il veut récupérer sa. Vous m'avez entendu? Pas, Antoine. Non. On va, on va à la ferme là, un peu plus au sud, on va voir. Augustine? Ah oui. Vas-y. J'ai vu son grand-père en plus. Oui. Bien le bonsoir. Bonsoir. Là, moi. Ah, c'est le gouverneur. Ah, c'est le gouverneur. Est-ce que vous a... Excusez-moi, excusez-moi. Est-ce que on vous a tenu au courant de ce que. Ah, vous allez vous contacter? Oula, vous avez l'eau. Est-ce qu'on vous a dit... J'ai un truc qui pourrait vous intéresser. Ah... Vous allez voir. On m'a pas mis au couronne. Mais venez. Viens. Il est gouverneur. Est-ce qu'il est dame derrière, d'ailleurs? Pardon, madame. Je parle... Sergent de la Guardia, seigneur. Oui, mais je parle avec le gouverneur. Attends, t'inquiète, t'inquiète. Oui, mais je parle avec le gouverneur. Je clique si... Je clique. Ça marche. Non. Il a vraiment... Attends, je regarde un truc. Mais non, je suis radieux. Je suis le chef. Oh. Comment? Oh, j'aimerais trop savoir faire ça. Deux. Reculer. Une bague. Oh, vous contrôlez votre cabillaud longtemps. Ah oui. Ah ouais. Ah non. Si. Non, non. Ah, vous êtes si forte. Vous êtes de la Guardia? Ben non. Si, effectivement, je suis la sergente de la Guardia. Ça vous va très bien. Comment vous appelez? Aella. Aella Avery. Enchanté, je m'appelle Antoine. Antoine. Vas-y, dis-moi en plus. Oui, Antoine. Enchanté. Antoine comment? Antoine Pichon. D'accord. Mais pas pas le shérif, hein. Pas du tout, j'ai pas perdu de bague. Non, non, c'est vrai qu'on... Il y en a beaucoup qui vous considèrent comme le shérif Pichon. Non, mais non, t'as menti. Non, non, je ne le suis pas. Bon, mais bonne journée, madame. Un policier me volait, amigo. Go, il serait déjà mort avant même de me voler. Est-ce que vous êtes de la Guardia? Non, non, pas du tout, mais elle, oui. Ah, d'accord, super, merci. Pas de quelle bague il parle, de policier de merde. Ah oui, vous avez menti, Junior. Le policier directement. Ah oui, ah, non, c'est un policier de Saint-Denis. C'est le commandant de... le commissaire. Vous. Ah bah oui. Ouais, et c'est le commissaire. Ah oui, d'ailleurs, à propos de ça. Vous allez pas en revenir, monsieur le gouverneur. Figurez-vous qu'hier, je me suis fait arrêter sur les terres de New Austin par les shérifs. Oh. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils ont traversé la frontière illégalement par l'eau. Les terres de New Austin par des shérifs? Ouais. Oui, ils ont traversé la frontière par l'eau. Amigo. Vous avez dit quoi, hein? Pourquoi tu les as pas allumés? Ah bah, ils étaient 12 et j'étais... Oui, bah oui, c'est vrai ça, gouverneur. Ils ont tiré dessus. Bon, un shérif tombé sur mon sol est égal $100 de récompense, amigo. Oh. Arrête. Ah, oui, je pense que là on allait mourir. Ah bah oui. Hein, surtout quand Antoine qui partait en fait. Après, c'était vraiment beaucoup. Hein. Non, moi j'aurais pu, moi j'aurais pu. En fait, le truc, gouverneur, ce qui se passe, même nous, ils nous ont tiré dessus parce qu'on était dans l'eau. Oui, bon, ça c'est normal. Un peu lâche quand même, hein. Ouais. Oui, mais t'as traversé illégalement quand même. Bah non, bon, ma carte. Je reviens, je vais à la ferme si jamais. C'est où? C'est quelle frontière? Non, c'est pas la frontière. Vous me rejoignez à la ferme? Bah, je sais pas où c'est, attends, je te C'est un peu plus au sud là. Bah, c'est pas du coup, c'est normal? J'ai eu $130 d'amende sur. C'est bon, finis ta conversation, Junior, hein, si jamais. T'inquiète pas, on va les fumer. Ah, ouais, regarde. Bonne journée, monsieur le gouverneur. Merci beaucoup. Bah oui, venez. Je vous embrasse, monsieur. Bah oui, hein.
Dis-moi qu'ils sont là, s'il te plaît. Putain, mais ils sont jamais là, ces connards. Oui, c'est vrai que c'était si proche que ça. Mais oui, t'as vu, c'est commencé trop bien. Mais je pense qu'ils sont à la ferme, j'ai vu le papy de la ferme juste avant. À la ferme? Ah oui, je pense, je l'ai vu. C'est où déjà? C'est Ok, c'est là-bas. On va voir, hein. Ouais. Mais par contre, Antoine, on va pas attendre de les voir eux pour la récupérer. Il faut falloir qu'on prenne un truc en attendant, hein. Ben... Viens, on verra, hein. Pressé en besogne, pardi. T'as dit quoi? J'ai dit que Junior il a l'air pressé. C'est vrai. Ouais, non, faut qu'on ait récupéré la taxe aussi. Ah oui, il est vrai. On a encore des graines, je pense. Bah non, on a plus de graines. Non. À 4, oui, en vrai, à 4, on peut faire la guerre. Hein. On les tue tous, hein. Richard, est-ce que vous êtes chaud? Vous mangez quoi? Bah bon appétit. Et moi aussi je voulais manger ma pizza au saumon et entre temps possiblement qu'on m'a fait des légumes. Attention. Oulala. Mon dieu. Ah, hey. C'est pas loin. Ça fait peur un canyon. Mais t'es là Richard? Oui. Ah oui il est là. C'est bon, ça passe! Oh, j'aurais rigolé si vous tombiez. Ah bon, comment vous aurez fait? Vous serez sorti de la tombe? Antoine? Oui! Pense à ça, j'espère vraiment qu'il est mort, parce que s'il est pas mort, on va passer un mauvais quart d'heure. Bah. Non, ça va, s'il est pas mort, ils vont nous péter les couilles et on les retuera, hein. Ah oui, bah oui, on va faire ça. Non, c'est pas grave, c'est pas mort. Ah oui. Bon, c'est chiant, mais... Ah mais où est-ce qu'elle est, cette connasse d'Augustine? Bah oui, y'a personne, je crois qu'elle se cache de vous, hein. Je commence à te demander. Ah, je suis venu récupérer du foin ici tout à l'heure. Ah oui? Oui, juste à gauche là, sur la botte. Proche, balle. Je vais le reprendre un peu d'ailleurs. Moi je vais boire. Bah buvez hein, c'est important Antoine. Buvez avant que l'eau ne vous boive. Ça va Richard? Bah oui, je vais bien, mais vous avez pas remarqué que j'étais là. Je suis si petit que ça Antoine. Bah t'étais bien silencieux. Ah bah non. Bah si. Après je mange aussi en même temps. Tu manges quoi? Une pizza. Ah ouais, qui c'est qui te l'a fait la pizza? C'est Alma. C'est un ami armadier, il s'appelle Dominotsu. Dominotsu. Oui. Dominotsu. Attends, parce que même moi en vrai j'ai faim, tu sais quoi? Ah oui? Bah y'a du foin là si vous voulez. Vous avez mangé du foin? Maintenant j'ai pas l'impression. Non, je vais pas manger du poing. Je vais pas manger du poing. Mais manger le poireau Antoine. Non, je vais pas te manger le poireau non plus Richard. D'accord. Ah hein. Oh, Stevie me manque. Ah Stevie, oui, pourquoi? C'était vraiment mon meilleur ami. Mais nous on est de la même famille. Oui mais c'est pas pareil, tu lui ressembles pas, t'as aucun lien avec lui en fait. Ok. Tu vois Stevie... Ah oui vous dites Stevie Antoine lui, il avait de la répartie, il était drôle. Ah oui mais moi je suis juste gentil, c'est déjà bien non? Et il était téméraire Stevie. Je sais pas ce que veut dire ce mot. Il était courageux. Je suis courageux, hein. Oui, c'est regardez. Ça. Hop là. Il avait un casque, hein, et je l'ai fait quand même. Oh, oh, t'as raté. J'ai loupé. Attendez, je recommence. Dommage. Tenez. Putain, mais ça me fait chier. Tiens.
J'ai plus de gourde. Ferme-la. Aïe, aïe. Avant, je faisais que la croisée, cette connasse. Oh. Aïe, aïe. Essaye de donner à manger à ton cheval, parce que moi j'arrive. Ah, c'est bizarre. Je vais te tuer. Ah. Attends, mais on a regardé les propriétés autour. Eh, vous voulez pas on se sépare, franchement, parce que là on est tous les quatre tout le temps et au final personne fait rien. Bah moi je suis ok. On voulait la Guarma pour avoir des plantes. Eh ben allez-y, ouais. Allez-y, au pire on fait de deux. À deux. Oui, on fait. Ah, on va mourir. À deux, ah, ça va être compliqué. Hein. Mais c'est pas grave, mais parce que là, en fait, on est. Tout seul, je pense qu'on peut y aller à deux. Hein. On est tout le temps paqués tous les quatre comme ça, et au final, personne fait rien. Oui, mais en fait, tu y allais l'après-midi. Dis-nous, Antoine. Ben, je sais pas, on fait de deux, on fait notre vie, on se balade. On rencontre des gens. Mais par contre, t'as pas vu les. Là-bas, il y avait des. Il y a des tentes, elles sont sympas. Sylvie, viens avec moi. Aujourd'hui, je prends Stevie. C'est Richard. On va aller chercher Stevie à la Morgan. On va aller chercher Stevie à la Morgan. Bon, nous, on fait quoi? On va avoir ma. Ah, oh, bah, fais ce que tu veux, hein. Au pire, tu m'envoies un pigeon si jamais il y a besoin. Oui, t'inquiète. Allez. Pigeon voyageur, tu dis. Il appelle ça un pigeon voyageur. Qui appelle ça comme ça? Ça m'a fait beaucoup rire. Junior. Ça m'a fait rire, hein. Parce que, en fait. À la conquête de l'Ouest! Vu qu'on est tout le temps tous les quatre collés. Bah ben, au final personne, on fait pas grand chose tu vois. Non mais je suis d'accord hein. Ouais moi. On se fait séparer. Moi j'aime pas. Oh tu l'as vu? C'est une salamandre. Ah, oui, c'est quoi? J'en ai tué un tout à l'heure. Non c'est un iguane mais un peu plus évolué. C'est pas une salamandre? Bah je sais pas hein. J'aurais juré que c'était une salamandre. C'est quoi la différence? Bah ben, j'en ai aucune idée mais je sais pas pourquoi quand j'ai vu ça m'a inspiré le mot salamandre. Bon, et toi, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que ça raconte? Ah, bah, toujours la même chose, Antoine. C'est-à-dire? Bah, j'essaie de zoner un petit peu pour trouver un endroit où est-ce qu'on pourrait habiter. Oh, attends. C'est très compliqué de trouver. C'est bien là. Ah, mais j'ai dormi ici. Il y a 2-3 jours, j'ai dormi ici, j'ai raqueté un homme en vrai. Non, ça se trouve. Oui. Oh, alors peut-être. Ici, c'est pas. Enfin, si, c'est occupé ici. Ah, c'est occupé là? Regarde. Bah, à voir. Oh, non! 490$ et on peut l'acheter. Oh, t'en penses quoi? J'ai 490$. Tu l'as sur toi là? Bah dans le cheval j'ai 500$. Mais c'est les 500 de la. Regarde en vrai c'est une petite. C'est une petite ferme quoi. Bah. Viens on va voir Twin Rock avant. Ok, allons voir. Parce que là t'as vu y'a un petit enclos, on pourra mettre des animaux, c'est ça qui est sympa. J'aime bien mettre des animaux moi. Ça, vite. On pourra faire notre propre cuisine. Faut qu'on fasse vite parce que faut pas que quelqu'un l'achète avant nous là. Imagine là pendant qu'on est pas si quelqu'un vient il l'achète. Ah, tu penses que là on peut tout acheter? Ben, je vais voir là dans le nord s'il y a pas. Là, Twin Rock, mais je sais pas Twin Rock. Parce que dans mon cheval, j'ai une liasse de 500$. Ah oui? Oui, ça provient du braquage que vous avez fait. C'était Teddy qui me les a donné avant de partir en voyage. Oh! Ici aussi, c'est sympa, mais je pense que ça sera pris là. Je préfère même l'autre endroit. Bah, je en pense vrai. Que je préfère l'autre aussi. Oui, bah moi aussi, allez. Si, hein. Du coup, tu veux qu'on dépense 500$ dans cette petite maison là-bas? Ouais, on va dépenser 500$ dans cette petite maison, ouais. Ok. Ce sont les cactus. Ah bah oui, hein. Je commence à croire que tu le fais exprès. Comme je suis plus bas, je m'en prends plus dans le torse. Alors, t'as. Oui. Non, rien. Bah, dis-moi, Antoine, j'ai l'impression que tu veux me poser une question. Ouais. Bah, ok. Ah, chérie est revenue? Oui. Bah, vas-y, achète, hein. Je suis sûr, parce que après, c'est l'argent qui provient du braquage que vous avez fait, hein. Bah, oui, mais c'est pour ça, de toute façon, qu'il était prévu cet argent. Ok. En plus, il y a des chiottes. Ah, c'est... Oui, ça va être utile. Hein. Je pense que pour aller aux toilettes, c'est là qu'on ira. Hein. Oui, je pense aussi. Hein. C'est la seule liasse de 500 que je vais toucher. Attends, est-ce qu'on est vraiment sûr? Bah, plus... trop tard. Hein. En fait... Attention, trop tard. Non.
Si, regarde, hop. Ah, ah non, non. C'est bon, c'est à moi. Oh non, oui. fallait que j'achète moi, je pense. Oh zut. Ah, mais je pense que je peux. Attends. Tu veux que je te la vende pour zéro? Vas-y. Voilà, moi pour zéro. Non, attends. Oh. Oh. Quoi? Bah. Je peux construire plein de choses. Arrête. Oui, je peux une cuisine, un lit, un coffre, un dressing, une salle de bain. Ah, comment ça, une salle de bain? Attends, mais ça va pas rentrer là-dedans, un dressing, hein. Bon, tiens, tiens, je te donne les clés. Je te la vends pour 0$ parce que je suis gentil. Vas-y. Ah, non, je peux pas. Oh non. Ah, non. Oh non. Non, je peux pas. Ah, là. Oh non. Bah, je peux essayer, mais j'ai peur que ça nous pèse. Vas-y, essaye, au pire, c'est un problème. Hein. Ah bah c'est bon, j'ai vendu mais du coup j'ai vendu à personne. Oh non. Il faut la racheter et ils m'ont remboursé que 250. On est baisé jusqu'au fond du cul. Demande au papillon, je vais la racheter. Hein? Demande au papillon. Ah oui? Bah oui. Je pense qu'ils vont te rembourser. Bah je vais demander hein. Ah oui, demande-leur. Ils ont intérêt hein, moi je te le dis, sinon je vais à Saint-Denis, je suis tout le monde hein. Et gratuitement en plus. tu vas les renverser avec une calèche. Là. Oui. 8 morts, 6 blessés. Sinon, je fais mon propre Far West, moi je te le dis, tu vas voir. Tu l'as ou pas? Non. Ah, par rapport à... Non, je l'ai pas. Bah, je... Et je leur dis quoi? Dis-leur, on a eu un petit souci. On a trouvé, mais on a fait des bêtises. Oui, voilà. Quelque chose comme ça. Oh non. Pas maintenant, ok. Ok, je l'ai acheté. Ok, bah j'ai demandé à un cactus de me rembourser. On verra si on me rembourse. Je prends de la sève, hein, ça me va très bien. Mais tu vas voir, tu peux faire des choses, mais j'ai pas tenté. Bah je tente de tout faire, d'accord? Ok. Tu penses que les autres vont être contents de l'achat? Moi j'aime beaucoup hein. Il y a une belle vue sur bah les cactus. Ouais. Extension. Ah quoique derrière on a vraiment une très très belle vue sur encore plus de cactus hein. Moi je pense qu'il y a que des points positifs dans cette maison. Ah. Ah bah oui, regarde, on peut se laver, regarde, je me lave. Lave? Oui, je suis en train de me laver. Mais elle est très petite cette baignoire. C'est un évier, Antoine. Ben, je me lave. Enlève la vaisselle avant, tu vois bien qu'il y a des... Je sais même pas ce que c'est. C'est des assiettes. D'accord. Oui, mais le contenu... Attends. Ok. Oh, je peux dormir. Plus par-ci, je pense. Ah oui, bah bonne nuit. Hein. Oh, tu m'entends ronfler? Ah non, moi je te vois... Qu'est-ce qui m'arrive? Comme une pétasse. Oh, je me repose là. Oula, je me repose. Bah, repose bien, hein. Ok, je me suis bien reposé. Oh, je peux me faire à manger. Oh, je ronfle. Oh, je dors. Mais non, tu manges une poêle, cuivre. Attends, qu'est-ce qui m'arrive? Mais retire ces piquures de tes bras, qu'est-ce que tu fais? Attends, tu, quoi, je suis encore assis là? Mais non, tu te balades dans la maison. Attends. Mais qu'est-ce que tu... Mais je découvre en fait, là, y'a plein de trucs. Ah, j'ai un coffre, ça y est, j'ai un coffre. Mais nous, on peut pas. Oui, c'est... par contre, c'est chiant que vous poussiez pas. Qu'est-ce que tu peux pas me donner? Ben non. Un double? Oh, je l'ai senti arriver de loin. Oh, mince, je voulais pas parler ici, pardon. Ok, mais pousse-toi. C'est quoi ce burger de zinzin? Non, mais attends. Ah, mais guettez ça. Ah, t'as vu là-bas, on voit le camp où on voulait aller.
Guettez ce burger de zinzin. Merci mon frère Thibaut. Non mais le burger de fou là que je vais manger. Ah oui. Ah oui hein. Ah oui. C'est avec la sauce au cornichon de l'autre fois ou aucun rapport? Ouais je crois ouais. Ah oui hein. Ah oui. Bah oui. Ah oui. Bah je sais pas comment te donner. Je me sens chez moi. Vas-y quoi. Je me sens chez moi. Attends. Bon bah écoute écoute ben bah voilà bah c'est chez nous hein. Bah oui mais y'a quelqu'un en cheval. Ah je crois qu'il est arrivé mais non c'est bon. Mais faut montrer aux autres hein. Je tue son cheval. Il a pas passé devant chez nous hein. Ah oui. Non. Il fallait tuer le monsieur, pourquoi t'as tué le cheval espèce de monstre. Ben oh. Il nous braque. T'es sûr? Oui. Là voilà. Attends mais j'espère que c'était... Attends parce que... J'espère que c'était la PNJ. Oui c'est bon, tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai eu un petit doute. Oui mais bon... Ah oui. C'est à moins que rien. Ah oui hein, deux cactus valent mieux qu'un hein. Mais vas-y conduis. Chevauche. Oh. Ah oui, bah oui je mange. Bah oui on fait comment. Ah toi aussi tu manges. Bah oui. Attends. Ah ça me fait chier cette histoire de maison. On a dû prendre ça, on aurait pu en avoir une meilleure hein. Celle-là est très bien, ça va faire l'affaire mais bon. En fait, moi je veux juste un petit enclos. C'est ce que je demandais. Bah, il est où l'enclos là? C'est ouvert. Bah, oui, mais bon, au moins on a un petit enclos quoi. Ça ressemble à une ferme. Oui, bah. Là, le problème c'est qu'on est en pente, on dirait plus se décorcher là. Hein. C'est horrible. Bah. C'est notre première. Ça fera l'affaire, hein. Oui, c'est notre première en fait. Oui, et après on va évoluer. C'est ça que tu voulais dire? Bon, oui, j'imagine que oui. Hein. Il y a des oignons confits. Bouche pleine, c'est vrai. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Bah oui, hein. Junior m'a dit que vous aviez fait du cannabis. Oui, on a planté des graines. Que dis ça? Ah. Je sais pas. Ah, c'est bon. Toi bien, toi bien. Messieurs! Ah oui? Vas-y, viens, tiens, on va leur dire qu'on habite là. Non, ne me dis pas que c'est des docteurs et qu'on a vraiment tué quelqu'un. Messieurs? Non, je pense pas. Messieurs? Alors, on va voir. Ils y vont vers là-bas, hein. Ya! Yeah. Aïe, aïe! Messieurs? Mais c'est moi où il fuit? Messieurs? Aïe! Aïe! Aïe, pourquoi il fuit? Messieurs? Messieurs? On va faire du mal, hein. Et pourquoi fuit-il? Hey! Messieurs, hey! Oula, y'a mes ententes là, on va pas vous faire de mal, on veut juste parler! Bah oui! Pourquoi vous fuyez? Bah oui, pourquoi vous êtes obsessionnellement paranoïaque? Bah pourquoi vous fuyez vers nous? Bah. Vous parlez? Bah oui, pour vous dire bonjour, pour vous saluer! Ah, bonjour, messieurs, qu'allez-vous? Bah oui, vous avez des choses à vous reprocher? On est des nouveaux voisins, on venait vous voir! Ah, d'accord, bah nous voilà! Eh ben voilà, on vient d'acquérir une maison. Du coup, on voulait dire bonjour aux gens qui passaient à côté. On pensait que vous étiez des voisins, nous. Ah bon, vous habitez où? La maison qui est un peu plus haut. Une petite maison avec un petit enclos. Avec des toilettes sèches à l'extérieur. Ah bon, là, j'ai... D'accord. Ça se reconnaît assez bien, c'est la seule sur une longue route. Vers le nord. Ouais. Vers le nord? Ah mais c'est Isaac! Bah ouais, c'est Isaac. Oh! Je vous disais tout à l'heure, je vous ai acheté du foin, je vous ai glissé des petits billets pendant que vous faisiez pipi. J'ai vu votre kiki d'ailleurs. Ah ouais? Bah oui, je suis venu devant vous. J'étais en train de faire pipi. Vous prenez un truc, comment c'est bon? Vous posé sur votre genou, à traîner par terre. Ouais, non, ouais, merci. Vous m'avez bien aidé. Pas de rien. Mal au dos, mais trop bon ce burger. Ah bah oui, bah pas qu'au dos, j'imagine. Eh non. Bah ça va le foin, vous l'avez. C'est bon, vous avez fait. Quand Thibaut est simé, qui veut pas me faire grossir. Parce que j'avais pas à manger, du coup, au lieu de le donner à mon cheval, je l'ai mangé moi. Qui veut pas me faire maigrir plutôt? Ah merde, ça va être dur pour aller aux toilettes après là. Ah bah là, ça va piquer, hein. Ça va piquer. Je pense que je vais chier du blé, hein.
Ouais, t'es blé. Ah, bon app Antoine. Merci. Ah oui, nos régions du talent. Hein. Ah oui, le talent, mmh, c'est ce qu'on dit en France. Ah, pourquoi vous êtes français? Eh. Oui, je suis français. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui. Vous avez fait mon voyage. Cousin derrière aussi, Antoine français. Oui, en français. D'accord. C'est pas un canon fille hein, qui est dans les mains, c'est une catapulte à bois. Ah ouais, une boîte dedans et ça jette. Ouais, ouais, oui, ouais, oui. Moi aussi, j'aime les catapultes. Ouais, d'accord. Ah oui? Bien sûr. Et vous à l'arrière, vous êtes qui? C'est votre team? Pardon, patronne. Pardon, madame, vous avez dit? Patronne de la ferme. Laquelle? Patronne de la ferme. Bah, la ferme là, Augustine. Ah oui, d'ailleurs, vous avez vu Augustine et son grand-père? Ce matin, Augustine et Pat, je l'ai vu tout à l'heure au magasin de vêtements. Vous savez s'il va travailler aujourd'hui? Parce que je le cherche. Je sais pas, non. Pat, c'est le papy, mais je crois qu'il travaille pour lui. Hein. Si? Si, si. Ah d'accord, il travaille plus que moi. Bon, en tout cas, non, on voulait pas vous mettre en danger, on voulait juste vous dire bonjour. Ah ouais, non, moi je galope là, je vois que ça galope derrière, j'ai dit attends. Bah en plus, on vous a appelé, on s'est dit mais on veut juste leur dire bonjour, qu'on habite pas loin. Ah bah ouais, ouais, ouais. La première maison qu'on a acquérie dans le New Austin. Eh bah félicitations. Et ce sera pas la dernière, hein. Un jour nous les posséderons toutes. Oui, sauf les miennes. Et la mienne? Non, ni les vôtres, enfin sauf... On n'y est pas, d'accord, mais on possède toutes les maisons. Pourquoi vous habitez où? Ben moi à la ferme. Et moi, Punch. Ah, bien sûr. Ben bah oui. Et vous cherchez pas des locataires? Des locataires. Oui, des locataires. Eh non, mais vous venez d'acheter la maison là. Ouais. Non? Encore, il vous faut des maisons. On veut s'expandre. On veut contrôler le New Austin en fait. Ah, le contrôler. Putain. Il y a déjà la guardia qui contrôle. En fait, c'est de le contrôler de manière gentille quand les gens sont gentils qui coopèrent et sinon de manière méchante. Oui, voilà. Hier, j'ai coupé le bras de quelqu'un. Oh, pour dire. Parce qu'il m'a pas donné du foin. Ah, moi, j'ai donné le foin, moi, j'ai laissé mes bras. Hein. Mm-hmm. Mais oui, mais toi, tu joues avec Zach. Pour habiter à la ferme, il faut travailler à la ferme. Et c'est. Bah, on paye des gens qui travaillent pour nous. 20 heures de travail pour 300 viandes. C'est trop bon ce burger, cousin. Non, faut travailler quoi, faut travailler. Hein? Et 300 viandes, c'est combien de dollars? T'en es fait un aussi? C'est pas beaucoup. Clairement, ça va pas vous plaire. Bon. Bien vu. C'est non, nous, 150 cas, dollars. On paiera des gens pour bosser pour nous dans tous les cas, madame. Mon frère, compte bien. Ah, mais faut les trouver. Ah, ben voilà, envoyez-les parce qu'il y a besoin de travailler là, la ferme au rentre. Oui, mais nous, on donnera des pourboires, on est blindés. Blindés au max. Ah d'accord. Bon, moi, je suis pas blindé, moi, faut me. C'est bien. Richard. Va à Maggio avant que je m'en aille, je veux voir Alma. Bah allez messieurs, bonne soirée, bonne soirée messieurs. Il y a pas le freinier là. Bonne ouais. Soirée messieurs dames. Attends, Isaac. Ouais. Au revoir. Je l'aime bien monsieur. Ouais il est gentil. J'ai fait de l'amour pour lui. Mais pourquoi il a eu peur? Bah... Je trouve qu'il a une prime de 1000$ sur le dos hein. Sur qui? Bah sur Isaac. C'est pour ça qu'il a fui. Ouais je trouve. Non, c'est un gentil monsieur, il a toujours peur parce que je pense qu'ils se font beaucoup inquiéter malheureusement. Ah oui? Oui, mais c'est un chouette bonhomme. Bonjour. Attends, je crois qu'il le poursuit. Poursuis le mec en cheval. Poursuis le mec en cheval. Tu le poursuis? On va vous l'avoir, hein. À gauche. Pourquoi là, oui. Là, tout droit, à droite. Ah oui. Tu le vois? Hé hey. Monsieur. Oui. Arrêtez-vous. Vous êtes poursuivi, vous? Pourquoi vous fuyez? Comment? Vous étiez poursuivi? Non, j'allais vers un lac. Voyez-vous? Vers un lac? Ah, mais vous me braquez, mais vous voulez me tuer ou quoi? Bah oui, bah y'a. Il y avait un monsieur qui vous courait après, je crois. Hein. Bah allons le voir, ce monsieur là. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, allons-y, ouais. Ouais, on va voir. Allons le voir, là, celui-là. Là. Attention à l'entourloupe, hein. Oui. Vous le poursuivez, donc, je crois vous. Pas, je ne suis point un entourloupeur. Bon, il est où ce monsieur là hein? Ouais, je vois personne là. Oui, oui. On va le trouver. Hein. Vous allez pas nous avoir comme ça. Hein. Oh. Bah, je vous suis. Face, hein, ouais. Lui, non, en face, en rouge. Non. Oui. Non. C'est un bonhomme rouge. Oui, mais c'est un vagadores. Ah oui? Oui. Ah. Avance avec ton cheval, ton chapeau. Ah, c'est lui en face. Non, c'est la maman. Mais c'est un vagadores, c'est sûr. À côté 4 écus, ce chapeau de
hein. Oui. Vu la vitesse où vous courriez, je pense que vous en deviez beaucoup plus à ces messieurs. Mais non, mais vous fourvoyez, hein, mon très cher. Oh, son arme. Attends, je vais dans le saloon. Oui. Ouais, je vais rester avec lui. Range donc cette arme. Faut descendre de ce cheval, hein. Bordel. Voilà. Donc, j'ai gardé ma hache en main. Mais bordel, où est-ce qu'il est la tête. Et tu vas, oui. Ah oui, moi, t'auras besoin de combien. Oulala, attention, toi. Ah, où est-ce qu'il est, là, hein. Bah tant pis pour lui, hein, qu'il aille se faire enculer. Peut-être si Wayewa. Par contre, moi je parle des bloqués là derrière vous là, il s'est mis sous le truc. Mais frère, il a disparu. Tu l'as trouvé Antoine? Ah non, écoute, je le retrouve pas donc tant pis, hein. Bon, dans le bénéfice, oui, tu vas pouvoir partir, on peut leur demander aux autres. J'arrive pas à changer ma... Ils le connaissent. Je par... Attends, je crie. Ou sinon, je lui fends la tête avec ma hache. C'est un baratineur, monsieur, hein. Rien de plus. Vous m'avez fait perdre mon temps, vous allez me donner un dollar pour ce fait. Oui, oui, tu vas partir en compte fendre le crâne en deux, hein. Ah bah, hein, ouais. Vous allez pas me fendre le crâne ici, là, si putain, mais j'arrive pas à parler doucement. Ah, c'est embêtant, ça, hein. Non, c'est bon. Bah, dégage, hein. T'as de la chance. Bah, mais toi dégage, genre, tu m'as fait mon temps là. Bah, moi j'ai envie de rester là. Mais ne fais pas de bêtises, j'ai 7 ans d'expérience dans cette tour, c'est-à-dire que même si je me mets à 300 mètres, je te touche non, pas. Non, j'ai envie de partir, j'ai envie de partir. Oui. Bah, et oui. Ouais. Moi je décide ce que je fais, moi. Hein, moi je suis libre. Ouais. Bah, va-t'en. Il est pas si libre que ça, hein, t'as vu, tu dis va-t'en, il s'en va. Oui. J'ai même mangé un burger au second de ma vie. Ah, oui. Moi je suis libre moi. Toi-même connard. 20$, 20$ je le touche. Vas-y, vas-y. Bon Gidio. Ouais. Oh, je l'ai pas touché. Hop, je la vole. Il tue bien rapide, petit être. Attends, j'allais voir mes télégrammes, je vais revenir. Hein. Même moi faut que j'aille voir mes télégrammes d'ailleurs. Je n'ai jamais d'amis qui m'en envoie. Tu donnes ton télégramme au moins aux gens? Non. Ah, t'as c'est qui, hein. Ah si, j'en ai plein des télégrammes. Piston, il est où d'ailleurs? Ah si, j'en ai des télégrammes, hein. T'as dit qui m'a envoyé un télégramme? J'ai envoyé un télégramme à la Tao, je sais. Nouveau. Bon, si c'est trop beau. Moi, ne plus pouvoir monter sur Sogé. Bon, on y allait. Titre. Ah, Mexicain m'avait dit que j'avais ses. Coucou, Tatiki. C'est la table de lui, donc. Oui, je suis toujours en vie. Y aller. On va faire ça, ma vie. Je suis. Merde. Je suis recherché à Blackwater. Donc, je traîne beaucoup dans. Vous n'avez pas aller récupérer quelque chose, Antoine? Austin. Si tu veux, je passe te voir demain. Cordialement. Ton ami Antoine. Tu m'as dit quoi? On devait pas aller récupérer la taxe. Ben si, mais proche, dans 5 minutes, je m'en vais, moi. Mais pourquoi dans 5 minutes? Ben. Comment ça, pourquoi? Bah, t'es pas dans l'obligation, t'es pas en sursis. Si? On peut très bien laisser voir pour récupérer la. Non, la pas prime. Du tout. Sinon, on peut y aller sans toi, hein. Ou au pire, allez-y sans moi. Ouais, vous pouvez, bien sûr. On va aller voir, comme ça, je lui trancherai la tête si jamais il veut pas. Merde alors. Mais après, s'il y a les crotins qui arrivent, ils vont nous faire chier. Les crones. Oui, les crotins, les crottes, les crows, oui. Ouais, les crones. Ceux qui nous avaient kidnappés. Par contre, je pouvais prendre mes deux pistes. Non, je ne peux plus. Ça m'embête parce que j'ai un deuxième hole pour rien maintenant. Tu peux avoir que deux armes. Non, après tu galères trop. Bah, t'as un fusil donc tu peux avoir des pistolets. Mais si, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avant la tempête. Mais non. Si, je t'assure. Tu peux pas avoir des pistolets, un fusil. Pistolets, bah, c'est ce que j'avais tout à l'heure en tout cas. Avant la tempête. Mais moi je t'ai dit que tu peux pas. Mais Antoine, je l'ai fait tout à l'heure.
Je t'assure que j'avais les trois. Oui. Et moi je te dis que tu peux pas. Bah j'ai fait comment alors Antoine? Vas-y éclaire-moi ta lanterne. Bah tu as fait quelque chose de mal. Tu comprends? Comment ça j'ai fait quelque chose de mal? C'est pas bien. C'est pas bien Richard. Mais pourquoi? Tu peux pas. Pour le style. Ah non, oui, mais c'est hein. Pas bien. Méchant Richard. Oh ça va, mange ton burger. Ah, hein. Ah tu vas être le connard. Je te bouscule, t'es. Oh. Antoine ne redis jamais ça, tu sais très bien que ça me brusque. Tu sais que. Après je dois te lancer une hache dans la tête et tu vas dormir à le médecin. Il faut pas que tu oublies quelque chose. Oui. Désormais nous sommes un groupe. Bah oui hein. Et de ce groupe je suis le chef. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ah oui. Tu sais les chefs de groupe ce qu'ils ont le droit de faire? Oui. Voilà. Donc alors Antoine, est-ce que tu me menaces? Oui. Tu oserais me menacer? C'est pas chose là, je le fais carrément hein. Là, là si je veux. Moi je te menace aussi là hein. Et si je te tue, comment tu vas me tuer? Hey. Ma balle ira bien plus vite okay. que ta hache. Je vais baisser doucement cette hache, ok? Et tu vas baisser doucement ton canon scié. Mm-hmm. Ha. J'ai arrêté, Antoine, c'est bon, tu peux le poser. Tu là si je veux, je te tue là. Là si je veux, je te tue. T'es ma chienne. Oui, c'est vrai. Mais peut-être que j'ai prévu aussi de pouvoir te tuer, hein. J'ai envie de tuer quelqu'un avec cette hache. J'espère avoir l'occasion de tuer quelqu'un avec cette hache. Oula. Wesh Nismo, là elle est bonne. Je vais l'arranger pour l'instant. Eh, on. Qu'est-ce qui s'est passé de... Ah bah non putain c'est vrai que maintenant on est des grands. Les Vengadores, pourquoi? Bah vous voulez quoi? Bah quand on leur reprenne de la... Bah on peut hein. Ah ouais? Bizarre non? Bien sûr on peut. Ah maman. Oh là ouais. Où est Alma? Il peut plus, il va péter un plan s'il la voit pas, il est trois mots. Oui là crois, il faut que je la vois. Elle est pas là. Il a gravé Alma sur son avant-bras au couteau, je sais pas si je vous compte. Elle est pas là, là. Ah oui. Non, elle est pas là. Et, mais non, j'ai fait un nouveau look pour elle. On a des choses à faire et... Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ah, j'ai racheté les voiles à jeter. On doit aller voir ce qu'on tire dans le salon. C'est vous prenez les tabayos, c'est la grande. Ah les Jackson. Non. Les Crowns. Les autres. Voilà. Ah les crottins, oui. Si vous les voyez, mettez-leur quelques gifs de la part de Richard. Je crois que j'ai tué... Ouais, j'ai, peut-être tué j'ai peut-être tué un Jackson. Ah oui? Ouais. Peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Fais gaffe, il y en a un à 30 mètres à droite là. À ma droite ou ouais, à ta droite? À deux fois parce que j'ai un tomahawk. Non, hein. Bah à droite dans la rue, là, plus loin, vers la banque. Ouais, je l'ai peut-être. Bah j'ai peut-être tué. Ah. Mais peut-être pas. Peut-être pas. J'ai fait de mon mieux quoi pour le tuer, mais après tu sais la médecine. Bon, on y va, allez, bonne soirée, messieurs. Bon, écoutez, gars, Antoine. Oui. Bonne soirée, hein. Oui. Ouais, ouais, dites ouais. Bonjour de la part de Richard Pichon, hein. Codard. Aïe. Mais pourquoi tu me frappes? Hé hey hey. Aïe. T'as oublié que t'es un codieur, attention, hein. Je suis un codieur. Tiens. Aïe. Non, 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 oui, non, non. T'as de la chance, hein. Aïe. Non. Aïe. T'es où? On a, là, on a failli se faire du mal tous les deux, hein. Oui, alors oui. Faisons la paix. Ok, on fait la paix. Tu vas m'étrangler, je le sens. Qu'est-ce que tu fais? Ben, serre-moi le doigt. Ah oui? Tiens, avec ma lanterne. Super. Bon, allez. Bon, ben, au revoir, hein. Oui, au revoir. Au revoir.